Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à modéliser un outil à partir de ce tableau, hop, pour obtenir ce résultat. Un calendrier très visuel, très dynamique, sur lequel vous allez pouvoir faire des focus sur, par exemple, je vais voir uniquement ce qui correspond à de la préparation pédagogique pour Étienne. On voit facilement qu'en janvier, en février et en mars, il y a deux demi-journées, en gros, par jour. On a ici, ou deux journées complètes d'ailleurs, par jour. Si je regarde le trimestre 2, soit c'est planifié qu'en avril, donc là on est sur l'année 2025, soit ça s'arrête à partir pour une raison ou une autre sur les autres mois, ou sinon c'est juste que c'est pas encore planifié. Et donc on peut faire ça évidemment, surtout hein, on peut voir l'admin, on peut voir les formations. Là dans ce cas, dans les données que j'ai mises dans la base, ici il y a principalement des formations, de l'admin, de la préparation pédagogique, et pour une autre personne, Sarah, il y a du commercial. On voit que là, Sarah, par exemple en janvier, si on met tout, il y a les lundis, elle fait de la formation, et les mardis, du commercial. Donc on voit ça, et puis voilà, c'est 7 heures, 7 heures. C'est pour ça qu'il y a 7 petits carrés d'1 heure ici. Donc là, je vois que c'est 7 heures ici, et du coup, la transcription visuelle de ça, c'est 7 carrés d'1 heure, sachant que 8 carrés, ça ferait une journée complète. Donc, c'est ça qu'on va apprendre à faire, et on va apprendre à faire cet outil-là, à faire le même outil que celui-ci, à partir de ces données-là. Et ces données-là, c'est ce que vous allez pouvoir télécharger pour refaire le truc avec moi. Soit, là, c'est des données qui ont été saisies avec, on va créer des petites astuces de sélection qui vont nous permettre de facilement rajouter, modifier des lignes, des entrées. Mais sinon, c'est des données qui peuvent aussi tout à fait, et je vous incite à le faire dans ce sens-là, plutôt être importées depuis d'autres sources via Power Query. Donc vous importez vos données depuis 1, 2, 3 classeurs différents, par exemple Excel, qui sont par personne. Donc vous pouvez avoir par exemple des collaborateurs qui chacune ont leur propre fichier dans lequel ils mettent là je suis là, là je suis là, là je suis là, là je suis là. Et vous venez récupérer tout ça pour obtenir des indicateurs comme ça, parce que je ne vais pas montrer, mais enfin, vous l'avez peut-être vu. Mais là, on voit que, par exemple, pour Étienne, en admin, au trimestre 1, il y a 30 heures, 12 heures, 12 heures, 6 heures. Au trimestre 2, il y a 39 heures, 12 heures, 15 heures, 12 heures. En fait, c'est tout le temps, là, par exemple, c'est tout le temps les jeudis. On peut voir que c'est tout le temps les jeudis matin, mais c'est juste qu'il y a plus de jeudis en mai qu'en juin et en avril, parce qu'il y a plus de semaines qui contiennent un jeudi qui sont sur le mois de mai. Ça va vous permettre aussi d'avoir des indicateurs assez facilement qu'on pourrait exploiter d'une autre manière, mais que là on voit de manière très très visuelle et très dynamique. Donc voilà ce qu'on va faire, voilà l'objectif. Je vais me remettre sur la totalité. Là vous voyez que c'est la totalité sur l'année, parce qu'il n'y a que des données en 2025. Si évidemment en plus il y avait plusieurs années, on pourrait tout récupérer. Donc voilà notre objectif. Et nous, on part de ça. Juste ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais hop, faire une petite capture d'écran de ça, la mettre ici en plus petit, et ça va me guider pour qu'on refasse toutes les étapes au fur et à mesure de ce truc-là. Je vais fermer ça, pas enregistré. Je vais mettre ça peut-être plutôt dans une autre feuille. Donc, je vais rajouter une feuille ici, le mettre en grand, comme ça permettra de plus facilement échanger avec vous sur tiens, là on va faire ça, enfin échanger en vidéo interposée hein, bien entendu, mais en asynchrone totalement, mais de pouvoir vous montrer là je vais faire ça. Là vous voyez que par exemple il y a une mise en forme conditionnelle sur les week-ends, il y a une mise en forme conditionnelle sur les jours fériés, il y a une mise en forme conditionnelle ici sur le nombre d'heures. Ici c'est plutôt une fonction répète que j'ai utilisée. Vous allez voir ces trucs-là, et donc je vais pouvoir vous montrer ça au fur et à mesure. Donc là, je vais mettre résultat et là, je vais supprimer ça. Donc, pour passer de ça à ce qu'on a à la fin, tableau de bord, un peu ce calendrier, j'ai appelé ça calendrier, multi-agenda, je vais faire toutes les étapes une par une. J'ai plus qu'une seule feuille. Je vais faire toutes les étapes une par une et je vais vous guider. N'hésitez pas à mettre pause, je vais essayer d'expliquer à chaque fois. Là, on va faire cette étape. Je vais vous laisser le temps de tester par vous-même. Donc, n'hésitez pas à regarder, plutôt que de regarder le tuto, à faire le tuto en ayant téléchargé le fichier, et à voir vos propres solutions sur lesquelles vous avez peut-être trouvé des trucs qui correspondent plus à vos besoins, ou qui sont même d'autres solutions que la mienne, que vous préférez, avec lesquelles vous êtes plus à l'aise. Et puis de temps en temps, vous n'allez peut-être justement pas y arriver, et grâce à la vidéo, ensuite quand vous remettez play, vous allez réussir. Donc, premier truc qu'on va faire, on va créer les conditions
pour pouvoir facilement, comme vous l'avez ici, avoir des segments qui vont nous permettre de faire un focus sur par exemple un type et un collaborateur. On va créer les deux segments qui sont ici, qui vont nous permettre de faire facilement un focus sur un type de données ou un autre. Je vais simplement rajouter quelques lignes ici, ou deux lignes, hop, je vais rajouter deux lignes. Donc j'ai fait CTRL plus pour rajouter des lignes. Je vais agrandir à fond cette ligne-là, la mettre peut-être à 75, ça devrait aller. Et donc sur cette ligne qui est au-dessus de mon tableau, donc au cas où, hein, c'est j'ai fait CTRL plus, tout le monde n'a pas les mêmes raccourcis clavier, sinon vous faites, je reviens en arrière, vous sélectionnez deux lignes, c'est le plus simple, clic droit, insérer, et paf, ça vous rajoute deux lignes. Ensuite, j'ai agrandi celle-ci, clic droit, hauteur des lignes, 75. Maintenant, du coup, là, j'ai des données qui sont dans un tableau. C'est important qu'elles soient dans un tableau. C'est déjà un tableau dans ce que vous allez obtenir si vous faites le tuto sur mes données. Sinon, faites en sorte d'obtenir un tableau. Si vos données ne sont pas sous forme de tableau, vous n'avez pas ici création de tableau. À ce moment, vous cliquez sur vos données, vous cliquez sur mettre sous forme de tableau ou CTRL L, ça fonctionne ainsi. Ensuite, création de tableau et vous allez pouvoir ajouter des segments. Vous allez ici insérer un segment et on va rajouter pour l'instant juste le type et le collaborateur. Ce qui fait que j'ai deux segments, c'est comme des filtres, mais un peu surpuissants d'après moi, enfin, super intuitif et surpuissant, qui vont me permettre de voir, par exemple, Sarah, je vois qu'elle fait que du commercial et de la formation, Étienne fait pas de commercial du tout, et si je prends Étienne à la partie admin, voilà, y a quand même quelques lignes, on ne voit pas, mais il y en a quand même beaucoup moins. Si je dézoomais, on verrait que admin et formation et préparation pédagogique, ce n'est pas le même nombre de lignes. Et si je passais simplement de Étienne à Sarah, Sarah à Étienne, je vois que ce n'est pas le même nombre de lignes non plus. Donc, nous, on va rester zoomé comme ça, mais juste sachez que ici, à chaque fois que je sélectionne l'une des lignes de mon segment, l'un des boutons de mon segment, il me fait un focus en masquant les lignes qui ne sont pas affichées. Enfin, en masquant les lignes qui ne correspondent pas à ce que j'ai sélectionné ici. Et ça, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire que ici, la ligne 13, par exemple, elle n'existe plus. Si je fais égal B12, je vois qu'il sélectionne cette ligne-là. Si je fais égal B14, il sélectionne la ligne d'en dessous. Mais celle d'après, celle entre les deux, B13, je vois qu'il la sélectionne un peu là. Bon, et si je faisais B170, on le verrait peut-être moins bien. Si. On voit qu'il sélectionne une ligne entre 29 et 177. Ouais, je vais reprendre B13. B13, il y a quand même une valeur. Cette valeur, c'est le 7-10. Si je déclique ici, hop, B13, vous voyez que c'était bien le 7-10 et elle existe. Cette cellule, elle existe, cette valeur. Simplement, elle est masquée. Et nous, on va jouer sur ça à fond, donc c'est important que vous le compreniez bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va peut-être déjà retravailler un tout petit peu ces segments ici pour que leur donner déjà une vision un peu plus sympa. Hop. J'améliorerai après. Ouais, je vais mettre. Donc là, j'ai cliqué sur le segment. Et sur le segment, une fois que j'ai cliqué dessus, normalement, vous êtes ici sur segment ou slicer si c'est en anglais. Et sur ce segment-là, j'ai la possibilité de changer le nombre de lignes, de colonnes par ligne. Hop. J'ai la possibilité de changer les dimensions, simplement comme ça, hein. Et moi, je veux dire que. Tiens, à chaque fois, ça va faire 2,6 de haut et que il va faire par exemple 7 de large et 2 colonnes. Ou 6 de large et 2 colonnes. On verra après. Juste que toutes mes données tiennent ici. Et là, c'est pareil. Je vais dire que ça fait 2,6 et 5, c'est très bien. C'est très bien. Et donc là, je peux mettre ces deux trucs-là vraiment au-dessus de mes données. Je les améliorerai après. Et filtrer ici, je vois que le commercial, il n'y a que 3 journées. Il n'y a que 3 journées complètes qui font de 7, de 9h à 17h moins 1 heure de pause. Donc ça, c'est une information que je voudrais avoir. De savoir il y a combien d'heures, parce que c'est ça qui est affiché ici, il y a combien d'heures de planifier pour tel événement, pour tel type d'événement, pour telle date, pour telle personne. Et donc pour faire ça, je vais rajouter une colonne ici. Je vais mettre ici, je vais écrire durée en heure. Vous voyez, j'ai rajouté une colonne, ça s'est rajouté directement dans mon tableau. On voit que le tableau, il s'est auto-dimensionné.
Si vous ne faites pas le cas avec mes données et que quand vous le faites, ça ne donne pas ce résultat-là, c'est ça la priorité. Sachez que c'est ça la priorité pour vous. Donc là, durée en heure. Et ici, je vais lui demander de faire un calcul qui va faire bah, le début, enfin la fin, l'heure de fin, moins l'heure de début, sachant que là, je sais que c'est sur la même journée, c'est comme ça que sont structurées mes données, moins le temps de pause s'il y en a. Et donc pour faire ça, faire égal l'heure de fin, moins l'heure de début, ça j'ai tout à fait le droit de le faire. Le problème, c'est que si je fais ça, je ne peux pas faire ensuite moins 1, parce que ce n'est pas organisé de la même manière. Vous voyez que là, ça me fait une énorme erreur. Est-ce qu'on pourrait agrandir? Non, dans tous les cas, j'ai une erreur. Du coup, je peux pas. Cette logique que j'ai fait pour la première, pour le début du calcul, qui me donne bien 8 heures, je peux pas l'étendre à je vais faire moins 1. Parce que là, c'est des heures, alors que là, c'est des unités, des nombres entiers, ou des nombres décimaux. Et du coup, je vais lui dire que bah, pour me retrouver sur la même chose, je vais faire tout ça, la soustraction que j'ai ici, je vais faire fois 24. Parce que la façon dont il l'exprime, en fait, je vais avoir besoin de lui dire multiplie-le par 24, même si ici on dirait que c'est une erreur maintenant, pour pouvoir travailler ensuite sur ça. C'est la meilleure chose à faire, on pourrait faire dans l'autre sens, mais on aura des problématiques plus tard. Et donc là, il a laissé un format d'affichage en heure qu'il avait calculé de lui-même, hein, un format d'affichage en heure comme ça. Moi, je vais lui dire que je veux un format en fernum. Donc, ici, maintenant, j'ai marqué 8, j'ai changé le format d'affichage, je suis en format nombre, j'ai marqué 8, et ce 8-là, je peux remettre des parenthèses pour que ce soit plus visuel et vraiment venir retirer cette colonne-là. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré au début, mais comme on est dans un tableau, les références, un vrai tableau, hein, pas juste des bordures et des trucs pour faire joli, on est dans un vrai tableau, les références ne sont pas les mêmes. Là, on a fin, parce que c'est pour dire la colonne fin, on a un arrobase pour dire dans la même cellule, donc dans la même ligne, donc dans la même ligne que là où j'ai ma formule, je prends la valeur de la colonne fin, donc ça veut dire que c'est l'intersection, hop, entre la colonne fin et la ligne dans laquelle je fais ma formule. Donc là, il voit que c'est 17 heures. D'abord, c'est tout le temps la même chose. J'ai pris des lignes sur lesquelles c'est tout le temps la même chose. Mais si ici je mets 18, 18, 2.00, hop, le calcul va changer. J'ai fait ensuite moins le temps de pause. Et donc là, ça me donne un nombre qui, lui, justement, va varier en fonction de s'il y a un temps de pause ou pas. Je vois que là, pour avoir 8, bah, si je mets 2 heures de pause, j'ai plus que 6 heures. Si je mets 1 heure de pause, j'ai 7 heures. Et si j'avais mis 0 heure de pause, hop, j'avais rien mis. J'ai 8 heures. Je remets les mêmes données pour que ce soit, pour pas vous perturber si vous faites les tests et que vous n'avez plus les mêmes résultats que moi. Donc je vais tout le temps laisser les mêmes données, mais du coup, ça fonctionne bien. Et ça, je vais venir le centrer ici, hop. Comme j'étais en train de travailler sur une ligne en particulier et que du coup mon tableau n'a pas réussi à penser qu'il fallait travailler sur toute ligne, du coup il n'a pas bien fait certains trucs. Je vais donc en gros par exemple juste le format je vais le mettre ici. C'est pour ça qu'il ne voulait pas me le laisser faire tout à l'heure. Je vais mettre format en format nombre avec une décimale en moins et je vais le centrer. Pour ça que tout à l'heure j'avais des erreurs, c'est parce qu'il ne voulait pas que je modifie certains paramètres du format en n'ayant pas toutes les lignes affichées. Donc là, ça devrait bien fonctionner. Si je fais Étienne, on voit qu'il y a par exemple de la préparation pédagogique. Alors je vais mettre tout en haut. Non, de la formation qu'il y a entre 9h et midi, ça dure 3h. La formation le même jour qu'il y a entre 13h et 17h, ça dure 4h. Du coup, ça a l'air de bien fonctionner. Je vais lui dire que là, ça c'est un calcul, donc une formule. Alors je vais copier ça. Formule, ne pas modifier, je vais faire en sorte que, en tout cas, on sache, je vais mettre un code couleur ici, par exemple un gris très clair et le même gris très clair ici, pour que bah, si vous faites de la saisie ou si vous voulez simplifier l'utilisation de ce fichier par des personnes, il y a bien quelque chose qui permette de savoir que là on modifie, là on modifie pas. Vous pouvez pousser la logique en mettant tout ça en gris, en vrai ça fonctionne très bien, moi je trouve ça juste un peu moins esthétique donc je mets en haut. Donc là on a ça. Et ça va nous permettre assez facilement, en vrai, d'obtenir déjà des indicateurs. On va passer à créer déjà un peu ce truc-là. On va faire des allers-retours. Hein. Je pourrais tout faire déjà ici, mais j'ai envie de faire un peu des allers-retours pour vous montrer les logiques qui permettent de créer le projet en testant, en bricolant au fur et à mesure, plutôt que de faire un truc où je vous dis, bah voilà, c'est comme ça, et puis débrouillez-vous. Je vais le faire de la manière la plus do it yourself possible. Donc, maintenant que j'ai cette colonne-là qui va me permettre de calculer que par exemple sur une date,
j'ai tant d'heures de travailler. Là, je vois que par exemple sur cette date-là, j'ai ces deux lignes. Donc là, je voudrais savoir que le 2 janvier, j'ai 7 heures de travail. Et que ces 7 heures, c'est celle d'Étienne. Donc pour faire ça, je vais mettre dans une autre feuille que celle de résultat. Je vais l'appeler calendrier. Cette feuille calendrier, je vais faire en sorte qu'elle ressemble un peu à ça. Bon, ça ne va pas être énorme. Peut-être changer un tout petit peu. Je vais peut-être faire une grande ligne en haut. Hauteur de ligne, on va faire 90. Peut-être 75. Je fais une grande ligne en haut. Et je vais la mettre tout de suite en cette couleur, je crois. Alors j'essaye de faire la même chose que ce que j'ai dans le résultat, pour que ce soit pas perturbant. Et je vais venir faire les tableaux qui sont là. Je vais commencer par le centre. Vous voyez que là, je vais commencer en colonne D. Bon, je vais faire exactement la même chose. Donc, je mets en colonne D, même si cette colonne va être plus grande. Je vais la mettre en 90. Peut-être pas. Je vais la mettre en 30. Pardon. Hop. En colonne D. Et en colonne D, à partir de, on va faire. On va peut-être pas faire exactement la même chose. On va changer après. Mais ouais, je vais me mettre en D6. Et en D6, je vais commencer à créer un tableau de trois colonnes. Je vais mettre ici, hop, un tableau de trois colonnes. Mettre sous forme de tableau. Je vais prendre ça, c'est très bien. Le premier style. C'est-à-dire que mon tableau comporte des en-têtes. J'ai mis aucune donnée dedans, c'est pas grave. Et je vais dire que là, c'est la date, le jour somme, et ici, les heures. Enfin, on va faire planif. Je vais mettre planif pour indiquer que c'est les données qui sont là-dedans. C'est-à-dire que à partir de maintenant, j'ai un tableau qui contient trois colonnes, qui devrait contenir 31 lignes, qui va contenir, bah, là je vais commencer par janvier, on va faire mieux après, mais qui va contenir toutes les dates de janvier. Et puis à côté de ça, j'aurai un autre tableau ici qui va contenir les dates de février, etc. Et je vais améliorer ça après. Alors pour l'instant, je ne mets pas le deuxième tableau, puisque je vais faire en sorte de très bien faire le premier, pour que ce soit le moins de travail possible ensuite, une fois que j'aurai bien paramétré le premier. Donc, ici en gros, ce que je voudrais lui dire, c'est si trouve-moi toutes les dates de janvier et dis-moi si c'est des lundis, mardis, mercredis, et pour chacune de ces dates, dis-moi s'il y a 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je vais faire ça en disant, bah, par exemple, là je voudrais, alors peut-être faire ça, je vais faire une fonction ligne, qui est une fonction sur laquelle on peut lui donner absolument aucun argument, comme la fonction aujourd'hui, et du coup il me donne le numéro de la ligne. Je vais zoomer un peu. Donc, là, par exemple, il me dit, bah, ça, la fonction ligne, elle a été écrite dans la ligne 7. Et ensuite, bah, comme c'est un tableau, ça s'est propagé à la ligne d'en dessous. Je peux faire, par exemple, ligne moins 5. On voit que j'ai 2, 3, 4. Si je fais ligne moins 3, hop, j'ai 4, 5, 6. Et moi, je vais dire, bah, ligne moins une deuxième fois la fonction ligne. Et je vais venir sélectionner la colonne dans la ligne d'en-tête ici, qui ne va jamais changer de place par rapport à ma première ligne du tableau. Ça fait que je commence tout le temps mon décompte à 1, et si jamais je déplace mon tableau, bah, en fait, ici, j'aurai toujours en première ligne du tableau le 1. Et donc ce petit truc-là, ligne moins ligne, en vrai, c'est un truc qu'on fait souvent quand on manipule des tableaux, pour faire en sorte de ne pas mettre des références absolues qui seraient des problèmes si quelqu'un décide de toucher votre tableau et que ça déstructure tout ce que vous avez fait comme calcul. Donc là, je vais faire ça. Et je vais dire que à ça, je vais rajouter, bah, par exemple, je vais mettre pour l'instant le 1er janvier 2025. Je l'écris ici. On fera mieux après. Donc je vais faire cette date-là. Bah, alors, hop, je vais l'appeler. Je vais nommer cette cellule. On fera mieux après. Non, je vais figer cette cellule. Je vous encourage à ne pas figer les cellules, mais là, ça va être temporaire. Donc, je vais mettre des dollars 4 pour dire que là, c'est tout le temps la cellule de la ligne 4 que je vais prendre comme référence. Donc, moi, j'ai des 1, 2, 3, 4. Je vais rajouter une date et donc ça va me donner des dates. Sauf que comme ici, j'ai le 1er janvier, si je rajoute 1, puis 2, puis 3, bah, mon truc, il commence au 2 janvier. Donc, à la fin, je vais faire moins 1. Comme ça, je commence bien au 1er janvier. Et si ici, finalement, c'est le 1er février, 25, hop, je commence au 1er février. Et puis, s'il dit que c'est 1er janvier, mais 24, hop, je fais bien le 1er janvier 2024 ici. Donc, je vais remettre le 1er janvier 2025 ici et je vais juste étendre mon tableau.
presque. Pas l'habitude d'être zoomé comme ça. Peut-être dézoomer un peu. Et réduire ça pour que vous voyez bien. Jusqu'à 31 lignes. En gros, j'ai étendu mon tableau, fait ici 31 lignes. C'est-à-dire que tous les mois, j'ai 31 cellules non vides. Tous les mois, comme je sais qu'il y a au moins 31 jours, je dis que mon tableau va faire 31 jours et j'irai sur des paramètres un peu après. Je variabiliserai ça après. Et juste à côté, je vais vouloir obtenir le truc que j'ai ici. Est-ce que c'est un M pour un mardi ou un mercredi, un J, un V, un S, un D? Donc quel jour de la semaine c'est? Ce qu'on appelle souvent le paramètre jour somme. Et pour faire ça, je vais faire, donc j'ai des dates ici, et je vais lui dire, bah, je prends une fonction texte. Il y a une fonction jour somme qui existe. Je vous conseille de ne pas l'utiliser, c'est plus simple de prendre la fonction texte. Un peu contre-intuitif, mais c'est plus simple. Je lui donne ce texte, cette valeur-là. Je vais dire que je veux comme retour, comme format, je veux triple J ou quadruple J. Triple J, c'est suffisant, entre guillemets. Ce qui fait qu'il va prendre une date. Et il va me dire à quoi ça correspond en termes de nom du jour dans la semaine. Mère, je, vent, Sam, dîme. Bon, logiquement, vous y retrouvez. Et ce truc-là, bah, moi, je ne veux pas exactement ça. Hein. Je veux uniquement la première lettre. Ensuite, je vais réajuster le taille des colonnes, etc. Donc, uniquement la première lettre, c'est-à-dire que je vais faire une fonction gauche. Fonction gauche, elle a deux arguments. Le deuxième est facultatif. Si vous ne mettez pas de deuxième argument, deuxième argument, ça pourrait être 2, hein, je récupère les deux premiers caractères. Mais si vous ne mettez pas de deuxième argument, il va prendre un caractère par défaut et nous, c'est ce qu'on veut. Troisième truc, je vais faire une fonction majuscule ou nom propre pour dire que la première lettre, ou majuscule, ou toutes les lettres, moi, comme j'en ai qu'une, ça change rien, je la mets en majuscule. Et donc là, j'ai bien des M, J, V, S, D, etc. Donc lundi, mardi, mercredi, etc. Et si jamais je change ici pour 1er janvier 2024, hop, ça se décale. Donc en 2024, l'année a commencé un lundi. En 2025, 1, 1, 25, l'année commence un mercredi. Alors c'est M pour mardi et mercredi, mais comme c'est suivi par un J, c'est-à-dire que ça c'est mercredi. Et donc là, ça fonctionne bien. Et ici, finalement, comme je sais que là, je vais être en janvier, je vais l'écrire un peu autrement, je vais l'écrire ici. Ici, je sais que pour l'instant, je vais être en janvier. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir le détail de la date en entier. Je vais faire ce qu'on voit souvent dans les calendriers. Je veux juste le numéro du jour. Et ça, je vais pouvoir le faire en. Je pourrais faire avec la fonction texte, mais ce serait pas logique pour certains trucs. Donc, je vais plutôt faire. Je sélectionne cette colonne-là. Alors, pas tout ça. Hein. Je sélectionne juste en me mettant juste au-dessus de la bordure supérieure de la colonne date. Je clique ici avec cette petite flèche, ce qui fait que ça me sélectionne uniquement ces données-là. Je vais faire accueil. Ici, je vais dans Format, Autre format, Personnaliser. Et là, vous voyez qu'il m'a écrit un format qui est celui de la date. JJ slash MM slash AAAAA. Ça me permet d'avoir tout ça. Mais moi, je veux que le début, que les J pour le nombre de jours. Donc, geste de J, là, ça fonctionne bien. Hop, je vais réduire la taille de ces deux colonnes. C'est-à-dire que ça vaut que 4. Je vais centrer les données de ces deux colonnes. Hop. Et ça avance sur le fait qu'on ait quelque chose qui ressemble un peu à ça. Alors ça avance doucement, hein. C'est normal pour l'instant, mais ça avance. Et donc ça, je pourrais tout à fait lui dire, bah, d'ailleurs, je vais peut-être le faire. Je sélectionne tout ça. Ici, je vais dire que ça vaut 1, la largeur. Et juste voir le fait que. Si jamais là je lui dis bah ça c'est par exemple mois décalé, c'est ça qu'on va faire après, mais on va le faire autrement. Mois décalé de la date qui était ici, un mois. J'ai oublié de mettre le dollar ici. Ce qui fait que voilà, bon, c'est février, mais c'est pas très important. En gros, si je change la date ici pour dire que c'est 2026, les deux colonnes sont liées. Ici, le mois de janvier 2026. Donc on pourrait voir autrement, mais. 2026 et ici février 2026, les deux se sont décalés. Si je prends bah, ici le fait que c'est pas janvier, mais que c'est février, on va faire novembre. Là, je suis en novembre. J'enregistre cette vidéo le 4 novembre. Ici, du coup, bah, on est le 4 novembre et on est un lundi. C'est bien ce que je vois ici. Et donc, le 4 décembre, on sera un mercredi. Mais je me doute que c'est bon, je peux vérifier. Hein.
ici, mercredi 4 décembre. Donc ça s'est bien décalé. Donc là, c'est déjà pas mal. On a fait, en fait, on n'a pas du tout fait les trucs les plus techniques et les plus compliqués, mais on a commencé à structurer très correctement notre tableau final, même si on pourrait se dire que il y a beaucoup de boulot. En vrai, si vous connaissez bien Excel, vous allez passer très vite. C'est juste que je prends mon temps. Et maintenant, je vais faire la formule qui va me permettre de récupérer le nombre d'heures totales de cette journée à partir de cette colonne-là. Et je vais ensuite augmenter ça de quelques conditions qui vont être, bah oui, mais je voudrais savoir si c'est seulement si les paramètres qui sont là, donc ça, je vais pouvoir le copier. Je vais le laisser là, mais je vais le copier et le mettre ici, hop, sur le côté. Je vais leur dire, bah, je veux savoir seulement en faisant un focus sur Étienne, Sarah ou l'admin ou autre chose. Pour l'instant, je laisse tout pour qu'on puisse bien voir si ça fonctionne. Je vais agrandir un peu ces deux colonnes-là. 20. Hop, je vais peut-être réduire ces deux colonnes-là pour que ce soit bien centré. Donc là, je vais vouloir pouvoir dire, fais-moi la somme. On va faire avec une fonction somme si. Et si vous allez jusqu'au bout de la vidéo, vous verrez que après on va switcher de logique pour aller encore plus loin. Donc je vais faire la somme de toutes les fois où, de toutes les cellules où, etc. Donc somme si ensemble, je lui donne une plage dont je veux additionner les valeurs. Et ensuite je vais lui donner des plages qui correspondent à des conditions d'addition de ces valeurs-là. Donc la plage dont je veux faire l'addition, c'est celle-ci. Les données qui sont dans ce tableau-là. Pas tout ça, hein. C'est une mauvaise idée de sélectionner ça. Sélectionnez vraiment les données qui sont dans la colonne durée en heure de votre tableau. Et je vois que ça s'arrête ici. Ça ne va pas plus loin qu'ici. Point virgule. Je vais lui dire bah, à condition que la date, ce soit celle-ci. Donc que dans la colonne de date, il y ait cette date-là. Vous voyez que j'ai bien, j'ai à aucun endroit j'ai mis B7, D8 ou quoi que ce soit. Mes références de cellules, c'est des références structurées qui viennent de mon tableau. Donc là, je lui dis additionne toutes les durées en heures à la condition que la date, ce soit la même date que je trouve dans cette ligne. Je vais fermer la parenthèse. Alors, j'avais mis quoi ici? J'avais mis 2024. Moi, je vais me remettre sur 1.1.25. On va améliorer après. Et là, vous voyez. Ce sera peut-être plus facile à visualiser si je fais accueil, mise en forme conditionnelle, barre de données, et on va faire ça. Vous voyez que j'ai bien des valeurs qui augmentent, enfin des valeurs qui sont entre 0 pour des week-ends notamment, et 13 là parce que bah, il n'y a pas le distinguo entre Étienne et Sarah. Et si je fais ça ne change rien. Donc c'est-à-dire que ici, s'il dit bah, que c'est janvier, j'ai bien ça. S'il dit que c'est février, 1, 2, 25. Je vois que ça a bien changé. Donc janvier et février. C'est pas les mêmes trucs. Hein. Et du coup, ça fonctionne bien. C'est déjà un peu conditionnel. C'est à condition que ce soit la bonne date. Et que ma date, moi, elle est calculée automatiquement à partir de ça. C'est pas tout à fait ce que je voudrais. Et surtout, je voudrais déjà le rendre conditionnel par rapport au fait que ici, je puisse switcher en voyant que de l'admin, que du commercial, etc. Donc je vais devoir retourner dans planif et rajouter un truc parce que j'ai pas envie de faire une colonne conditionnelle trop complexe, enfin, une formule conditionnelle trop complexe. Donc je vais rajouter un truc ici qui agrégat. J'ajoute une nouvelle colonne. C'est aussi une colonne de formule. Alors je vais fusionner ça. Je vais aussi mettre du gris ici. Et ça va être une colonne sur laquelle va s'appuyer tout ce que je fais en fait. Et cette colonne-là, c'est une colonne que j'appelle agrégat focus, je pourrais l'appeler focus d'ailleurs, et dans laquelle je vais utiliser une fonction agrégat. La fonction agrégat, c'est une fonction qu'on utilise normalement, vous allez voir, pour faire ça. Agrégat, je le mets là-haut. Agrégat de, je veux voir par exemple la somme. En ignorant les lignes masquées, c'est ce qu'on fait souvent. Hein. Le 9, ça dépend, on peut vouloir faire la somme, la moyenne, le nombre de valeurs, etc. Mais souvent, c'est en ignorant les lignes masquées. Des heures. Enfin, je fais ça. Et donc là, il me dit qu'il y a 620 heures. Si je prends que Sarah, paf, il n'y en a que 42. Si je prends que le commercial, il n'y en a que 21. Donc il fait la somme de toutes les valeurs, ici on en voit 3, qui ne sont pas masquées. Donc en ignorant les lignes masquées. Et moi, je vais utiliser agrégat
pour lui dire pour chacune des lignes, tu vas compter le nombre de lignes. On va faire ça, qui n'est pas masqué, dont la ligne n'est pas masquée. Donc ça va, s'il doit compter pour chaque ligne le nombre de lignes dont la ligne n'est pas masquée, c'est-à-dire que au maximum il sera à 1, parce qu'il va réfléchir par ligne. Mais qu'au minimum, si la ligne est masquée, il sera à 0. C'est-à-dire que je vais avoir des valeurs entre 0 et 1. Et pourquoi entre 0 et 1? C'est parce que je vais lui donner qu'une seule ligne. Je vais lui donner par exemple ça. Je fais ça, je ferme la parenthèse. Donc là, je vois que j'ai que des 1. Juste pour que vous compreniez bien, si je fais la somme de tous ces 1, j'ai 170 1. Donc j'ai 170 lignes. Si je dis que je veux que Étienne, j'en ai que 164. Si je dis que je veux que Sarah, la somme de toutes les valeurs qu'il y a dans toutes les lignes, c'est 6. C'est-à-dire que, comme ça continue à prendre toutes les valeurs, hein, bah c'est-à-dire que toutes les autres valeurs sont devenues des 0. Et c'est ça que va faire Agrégat, et c'est ça que moi je vais utiliser. Hop, je vais enlever mon focus ici. Je vais me remettre ici, pardon. Je vais dire, j'ai une deuxième condition. Ma deuxième condition, donc je me remets en point-virgule, j'enlève la parenthèse, je remets en point-virgule. Ma deuxième condition, c'est que dans la colonne focus, point virgule, ce soit 1. C'est-à-dire que là, j'ai les mêmes résultats qu'avant. Mais quand je fais admin, quand je fais commercial, quand je fais prépa, je vois que ça change. Si je passe de Étienne à Sarah, c'est pas du tout les mêmes résultats. Parce que j'ai maintenant deux conditions. Est-ce que c'est la bonne date? Premier truc. Et est-ce que c'est une ligne qui est visible? Sachant que mes segments ici viennent facilement, hein, si je prends Sarah, je vois que ça vient modifier ce qu'on voit ici. Et donc ces deux segments font la même chose, c'est des frères jumeaux aussi. Des particules, je sais plus ce que c'est le truc en physique quantique, mais qui sont reliées, donc quand j'en touche une, ça touche mécaniquement exactement, enfin l'autre a le même, même résultat. Donc, hop, Étienne, Sarah, je vois que ça a un impact ici, et ça c'est important. Et donc moi ce que je vais vouloir faire, alors c'est déjà pas mal, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais lui dire que je veux pas une mise en forme conditionnelle, parce que je vois que, bah, par exemple, la 13, si je prends Étienne, bah, ou si je prends Sarah, c'est aussi rempli que 7. C'est-à-dire que, s'il y a deux personnes, ou s'il y a une personne, mon 13 et mon 7 donnent l'impression que c'est le même nombre d'heures. Donc je vais pas faire ça, je vais plutôt lui dire que j'enlève cette mise en forme conditionnelle, effacer les règles de toute la feuille, hop. Et je vais dire que ici, je vais faire une fonction répète, REPT, d'un texte qui va être par exemple 1x, point virgule, et je vais le faire autant de fois que j'ai ma somme si ensemble qui a donné un nombre. Donc somme si ensemble va me donner 1, 2, 3, 4, etc. Je vais faire ça. Donc là, je vois que j'ai des x, ce serait peut-être plus beau avec par exemple des o, majuscule. On commence à mieux voir, mais surtout moi, je vais faire. Sur Windows, c'est Windows point virgule. Sur Mac, je ne sais plus, n'hésitez pas à aller trouver les bonnes références ou à utiliser autre chose. Mais du coup, moi, je vais faire ça pour obtenir ça. Et je vais dire que ici, je veux symbole pas monétaire. Faut défiler un peu symbole géométrique, je crois, justement. Vous avez ici, ah non, mais dans quoi? Dans symbole géométrique, vous pouvez prendre l'un des trucs qui vous plaît, que vous aimez bien. Moi, je sais que je vais repartir sur des trucs que j'ai déjà fait. Vous utilisez en général, hop, point virgule. Donc Windows point virgule, récent, il me propose, tiens, j'ai fait d'autres choses entre temps, il va me proposer carré, et si je prends par exemple ça, voilà, ça doit être l'un de ceux-là, alors je mets les deux pour l'instant juste pour vérifier, si ça se trouve le premier était mieux, il faut juste que je réduise la taille, voilà. Donc j'ai pris, c'est lequel, dans emoji, j'ai tapé carré, j'ai pris l'un des deux carrés noirs, je vois que ça rend pas trop mal, là j'en ai 7, je vais agrandir un tout petit peu peut-être. Je vais peut-être réduire la taille de la police pour que ça fasse 10. Et je vais agrandir un tout petit peu la largeur des colonnes pour pouvoir en avoir 8. 21, peut-être 22. Décaler un tout petit peu le début. Et j'enlève mon plus 1. Je voulais juste voir ce que ça fait si on fait une journée de 8 heures. Parce que normalement, c'est déjà un peu le max de la journée. La journée de 8 heures, la ligne est totalement remplie par ces carrés-là. Du coup, ça fonctionne bien. Donc là, je peux vraiment faire le truc de début janvier, les deux jours, les jeudis, vendredis du début de la semaine de janvier. Je vois que Étienne, il est à 7h, 7h, parce que je vois que la ligne n'est pas remplie totalement. On pourrait faire autre chose. Hein. Et Sarah, elle est à 0h, 0h.
Par contre, ensuite, le lundi, mardi, Étienne, il n'a pas des journées complètes, alors que Sarah, elle a des journées complètes. Et je peux facilement faire ce truc-là. Est-ce que j'ai plus d'heures de prépa pédagogique que de commercial? Ouais, j'ai un peu plus d'heures de commercial que de prépa pédagogique. L'admin, peut-être un peu moins, et puis la formation, c'est le gros du truc. Et du coup, bah, ça fonctionne bien. Et ça, c'est 50% ce truc-là de ce que je veux vous amener à faire. On va aller plus loin, mais c'est l'un des gros sujets. Le sum-si ensemble, qui n'est pas une fonction forcément compliquée une fois qu'on sait comment elle fonctionne, et le cumuler avec un agrégat par ligne, qui me permet d'avoir est-ce que dans cette ligne-là, il y a un focus par rapport au segment que j'ai là-haut ou pas. Et on va juste mettre un tout petit peu de mise en forme, faire en sorte que, hop, je mette tout simplement que la couleur, c'est la même que j'ai là-haut, ce sera un peu plus propre. Voilà, je le fais pas sur le côté, hein, mais vous allez voir que ça a fonctionné pareil. Et du coup, ça fonctionne très bien. Et on a fait l'un des gros trucs techniques de ce fichier-là, sachant qu'on va améliorer à fond, plein, plein, plein de fois, plein de trucs. Alors, grâce à tout ça, on a la possibilité, vous l'avez vu, de facilement faire un focus sur Étienne ou sur Sarah. Focus par collaborateur. Ou un focus sur le commercial ou la formation, si c'est Sarah, ou la prépa ou l'admin. Et du coup, ça fonctionne très bien. Mais pour changer de date, pour changer les dates qui sont ici, pour l'instant, il faut que j'aille changer manuellement cette date-là. Ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Du coup, la logique qu'on a utilisée pour les segments qui nous permettent de faire des focus, grâce notamment à la fonction ici agrégat, qu'on a utilisée ici, hein, qu'on a utilisée, pardon, ici focus. Donc la colonne focus contient des fonctions agrégat qui valent soit 1, soit 0, dont les résultats sont soit 1, soit 0. Toute cette logique-là, on va encore l'utiliser, sachant qu'on n'a pas besoin de recréer cette colonne, mais pour calculer des informations à partir des dates. On a des dates ici, et pour pouvoir faire un focus facilement sur l'année 2025, le trimestre 1, trimestre 2, ou sur un mois en particulier, ou un jour en particulier, il va falloir que je puisse facilement avoir une colonne qui me dit, bah, ça c'est le trimestre 1, ça c'est le trimestre 2, ça c'est le trimestre 3. Et donc je vais venir rajouter ici, alors je pense que c'est 6, j'ai pas en tête, 7 peut-être, on va faire 7 je crois. Je vais rajouter des colonnes, j'en ai rajouté 7, je vais mettre un peu plus petit, 11, je vais juste que ça tienne. Je suis en 110 de zoom pour l'instant, peut-être me mettre en 90 quand même ici, ah bah, du coup là j'ai de la marge. Juste que ce soit nickel pour après. Hop. Et du coup, là, je vais récupérer des informations dans chaque colonne qui correspondent à des groupes de dates, on va dire. Et donc, je vais faire l'année, on va faire dans l'ordre, l'année, le trimestre, le mois, faire fin mois, ça c'est un truc qu'on va utiliser après. Dans tous les cas, c'est une bonne manière de le faire parce que l'année et le mois sont des informations sur lesquelles si vous avez que le mois, par exemple janvier, et vous ne savez pas si c'est janvier 2023 ou 2024 ou 2025, il vous manque la moitié de l'info. Pareil sur l'année, si vous avez que l'année, mais vous ne savez pas si on est en janvier ou en février, il vous manque peut-être une info. Fin de mois, ça va être quelque chose qui va récupérer les deux. Et pour n'importe quelle date de janvier 2025, que ce soit le 2 ou le 7, ça va donner la fin du mois de janvier 2025. Ensuite, je vais faire ici nos semaines, le numéro de la semaine. On ne va sans doute pas l'utiliser, mais c'est bien de le voir aussi. On va faire le jour seum, qui va nous permettre de savoir est-ce que c'est un lundi, un mardi, un mercredi, et puis le jour, qui va nous permettre de savoir c'est quoi le numéro du jour dans le mois. Et donc tout ça, toutes ces données-là qui vont être issues. Alors je vais peut-être prendre ça. Hop. Encore une fois, vous pouvez sans problème fusionner et centrer. Hein. Fusionner et centrer, c'est une très bonne manière d'utiliser Excel. Dans plein de cas, à partir du moment où vous avez structuré vos feuilles et vos tableaux d'une manière efficace. Et donc là, je peux tout à fait fusionner, centrer. Je vais jamais avoir besoin de sélectionner la colonne E. C'est pas ça que ce que je vais sélectionner, c'est la colonne des mois dans le tableau qui correspond à la colonne E. Vous voyez que ça n'a pas posé problème d'ailleurs de sélectionner la colonne E, mais au cas où, c'est pour ça qu'on n'utilise pas. Si jamais je faisais peut-être égal somme de ça. Voilà. Là, il voudrait me prendre tout ça parce qu'il dit, bah là, cette fusion est centrée, donc c'est la même chose. Mais en vrai, on n'a jamais besoin de faire ça. Je vais faire la somme de cette colonne.
Donc là, je vais faire les formules qui vont permettre de récupérer les variables, hop, pas les variables, les valeurs, les agrégats, non, c'est pas tout à fait ça, les informations qui correspondent à chaque date pour la mettre dans un groupe de dates. Donc par exemple, l'année de cette date-là. Alors c'est écrit en format date, parce qu'il n'a pas bien compris, je vais mettre le format standard. Et il me dit que c'est 2025. Du coup, là, je vais pouvoir créer un segment sur ça. Je le ferai après, mais je vais pouvoir créer un segment sur ça. On va faire jour. Je vais faire dans l'ordre des plus simples aux plus compliqués. Jour, je vais donner ça. Et il me dit, bah, le 2 janvier 2025, c'est un 2. Le 10 janvier 2025, c'est un 10. C'est le 10e jour du mois. Le numéro de semaine, c'est pas bien compliqué. C'est nos semaines ou nos semaines ISO. Je crois qu'en général, on prend plutôt nos semaines ISO, même s'il y a des particularités dans certaines entreprises. Mais du coup, nos semaines ISO, je vais donner cette date-là et il va me donner un numéro entre normalement 0 et 53 ou 54, c'est pas, je crois. Et donc là, il me dit bah, le 2 janvier, c'est la première semaine. Mais dans certains cas, ça peut être le 2 janvier fait partie de la 0e semaine. Je crois que c'est un. Je crois que avec nos semaines ISO, je suis pas certain de mon coup, j'ai pas trop l'habitude de me pencher sur les détails de ça parce que j'ai pas de contraintes sur ça, moi. Mais si vous avez des contraintes sur ça, je crois que le principe de nos semaines ISO, c'est la première semaine, c'est la semaine qui contient le premier jeudi de l'année. Et si c'est pas pour nos semaines ISO, ça veut dire que c'est pour nos semaines et que c'est l'une des différences entre ces deux fonctions. On va faire fin mois parce que ça c'est facile aussi. Tiens d'ailleurs, nos semaines. Je vais quand même faire en sorte qu'on le comprenne un peu mieux. Et je vais dire que je veux écrire sum avant, une espérance. Donc je mets sum entre guillemets, je mets une espérance. Du coup, j'ai sum 1, 2, 3. Ce sera plus facile à lire. Et je vais dire que je veux, ce que moi je préfère, écrire mon numéro de semaine, qui est entre en gros 0 et 54, sur deux chiffres à chaque fois, pour pouvoir facilement les trier. Sinon, le 1 est suivi du 10 et du 11 et du 12, alors que moi j'ai envie que le 1 soit suivi du 2. Donc nos semaines ISO, je vais le mettre dans une fonction texte dans laquelle je vais dire que le format de sortie c'est deux chiffres dans tous les cas. Si c'est un 1, ça va être 0,1. Si c'est un 3, ça va être 0,3. Si c'est 13, ça va être 13. Voilà. Donc là j'ai ça. Ici je vais du coup faire la fin de mois. Là j'ai besoin de rien faire de spécifique à part lui dire que je veux hop. La date de fin du mois, de cette date-là, point virgule, 0 mois dans le futur ou dans le passé. Donc c'est-à-dire que je prends le dernier jour du mois. Si je faisais moins 1, ce serait le dernier jour du mois précédent. 12, ce serait le dernier jour du mois, 12 mois après. Fin mois d'une date, point virgule, 0, c'est la fin du mois en cours. Là, j'avais passé en format standard, du coup c'est plus bon, je vais passer en format date courte. Et là, je vois bien que j'ai le 31 janvier. Pour toutes les dates de 31 janvier, enfin de janvier, et ensuite j'ai le 28 février 2025 pour les dates de février. Et si jamais j'étais en 2028, il est malin, il me dit bah c'est le 29 février, ça se termine un 29 l'année de février, le mois de février en 2028. Donc ça fonctionne. Je vais aller continuer les trois colonnes qui me manquent. Donc le jour somme. Je veux des lundis, mardis, mercredis. On va utiliser plutôt la fonction texte pour ça. Je lui donne une date. Et je vais dire que je veux triple J ou quadruple J. Quadruple J, on va faire. Ça, il va m'écrire lundi, mardi, mercredi, etc. Je voudrais juste le mettre avec une majuscule au départ. Je vais faire nom propre. On va vite le faire en deux fois. Nom propre de ça. Du coup, là, j'ai lundi, mardi, mercredi. Donc là, jeudi, vendredi, lundi, mardi, etc. Mais ça commence bien par une majuscule. Et comme c'est un texte, je vais plutôt le décaler comme ça. Ici, le mois, ça va être la même chose que pour le jour sum. Je pourrais faire la fonction mois, j'ai fait la fonction année, j'ai fait la fonction jour, je pourrais faire la fonction mois, mais ça me donnera un nombre, 1, 2, 3, 4. Et moi, je préférerais avoir, hop, texte, quadruple M, comme pour le quadruple J, comme pour ici les jours, et nom propre. Qui va me donner le nom complet du mois, janvier, février, mars, etc., écrit avec une majuscule au départ.
Et le truc le plus technique de ce qu'on va faire, c'est pas bien compliqué, mais c'est du bricolage. Il faut accepter de bricoler et de se tromper un peu, et puis de rétablir et d'avoir bon de manière assez naturelle. On va faire des additions, des divisions, mais addition, soustraction, division. Mais en gros, comme il n'y a pas de fonction qui s'appelle trimestre, il y a trim, mais c'est pas ça. Il n'y a pas de fonction qui s'appelle trimestre. Et comme il n'y a pas non plus texte, et ici, je pourrais mettre les T pour des trimestres. Les T, c'est autre chose. Non, c'est rien d'ailleurs. Les T, c'est rien. Donc, je ne peux pas mettre, par exemple, triple ou quadruple T. Ici, je vois que ça n'a aucun impact. Je pourrais mettre des Q pour quarter, ce qui est le nom en anglais, mais ça ne fonctionne pas non plus. Donc, aucun de ces trucs-là va fonctionner. Donc, il va falloir que je trouve une manière de détecter le numéro, le nom du trimestre, le numéro du trimestre, par rapport aux informations que j'ai dans la date. Et moi, pour faire ça, je vais commencer par juste faire une fonction moi. Donc, je ne l'ai pas faite ici parce que j'ai fait une fonction texte, mais là, je vais faire une fonction moi qui va me donner un numéro de mois. Évidemment, vous savez que les trimestres, ça change tous les 3 mois. Donc, du coup, bah, si je sais que c'est les mois 1, 2 ou 3, c'est le trimestre 1. Si c'est les mois 4 ou 5 ou 6, c'est le trimestre 2, et ainsi de suite. Et donc, moi, je vais pouvoir lui dire. Donc, il y aurait plein de manières de faire. Je pourrais faire si telle chose. Je pourrais faire une formule un peu plus complexe. Un peu plus longue en tout cas, mais moi je vais plutôt essayer de vous trouver vous montrer la méthode que j'utilise tout le temps, qui est comment est-ce qu'on fait à partir de ça pour obtenir de la formule, la forme la plus compacte de récupérer le trimestre. Là vous voyez que du coup j'ai 1, ici j'ai 2 pour février, 3 pour mars, 4 pour avril, etc. Si jamais je veux faire en sorte de pouvoir avoir des trimestres, je peux diviser par 3. Alors, il est repassé en année, en date, mais si je remets en standard, il va me dire que 1 divisé par 3, ça fait 0,33. 2 divisé par 3, ça fait 0,66. 3 divisé par 3, ça fait 1, etc. C'est pas mal, surtout si je fais une fonction, par exemple, entier derrière. D'ailleurs, on s'approche. C'est pas bon encore, mais on s'approche. Là, il va me dire que l'entier de 0,33, ça c'est 0. L'entier de 0,66, c'est 0. Et l'entier de 0, de 1, c'est 1. Moi, je voudrais en gros lui dire, bah, attention, parce que juste ça s'est décalé, je vais faire plutôt le moins moins 1. Donc, c'est-à-dire que 1 moins 1, ça va devenir 0, on divise par 3, ça fait 0. 2 moins 1, ça va faire 1, on divise par 3, ça fait 0,33. 3 moins 1, ça fait 2, on divise par 3, ça fait 0,66. D'ailleurs, c'est peut-être pas si facile que ça à expliquer, mais c'est-à-dire que là, j'ai le même 0 sur toutes les dates qui correspondent à janvier. Vous l'avez peut-être remarqué, mais ici, logiquement, hop, je vais lui dire que je veux d'abord faire la soustraction, ensuite la division. Ça m'échappe de temps en temps. Donc là, normalement, je vais avoir des zéros sur les mois de janvier, février et mars. Enfin, janvier, février, mars, j'ai des zéros. À partir d'avril, j'ai des 1. À partir normalement de juillet, j'ai des 2. Etc. Et donc ça fonctionne bien. Donc moi, ce que je vais lui dire, c'est bah, une fois que j'ai tout ça, je refais plus 1. C'est bizarre hein, de faire ça, on fait un moins 1 et ensuite on fait un plus 1 et entre-temps on a divisé par 3. Du coup, logiquement, ça va me donner trimestre 1, je vais juste rajouter, hop, trim 1. Et donc on peut voir, hein, si je fais un focus, bah, si je vais juste à la fin, j'ai trim 3 parce qu'on est en septembre, si je changeais la date pour décembre, hop, je ferais trim 4. Trim 4, c'est-à-dire trimestre 4. Du coup, ça fonctionne bien. Et donc, cette formule-là, trim de ant, de mois, de la date, moins 1 divisé par 3 plus 1, elle est bizarre. Je conçois qu'elle est bizarre, mais c'est la forme la plus compacte que vous pouvez obtenir, utiliser pour obtenir le trimestre à partir d'une date. Et en vrai, une fois qu'on sait que c'est ça, même moi, je me trompe souvent, hein, j'oublie les parenthèses, etc. Je bricole, mais à la fin, j'ai bon. Et donc, tout ça, je vais juste faire maintenant création de tableau. Insère un segment, et je vais insérer certains segments, peut-être pas tous, mais je sais que de l'autre côté, j'ai ceux-là, donc je vais prendre ceux-là. Je les laisse là, mais je vais surtout les copier de l'autre côté, donc je les laisse là, hop, je les améliorerai après ici aussi. Pour l'instant, je vais prendre ces 4-là, que je viens de rajouter, CTRL-C, je les coupe pas, je les laisse ici, je vais me mettre. Alors je regarde, ici j'ai l'année, le trimestre, le mois et le jour.
Je vais les mettre ici, je vais réduire un peu leur hauteur pour que. Alors, je sais plus ce que j'avais mis ici. 2,6. Bon, je vais dire qu'ils font tous 2,6. Et je sais que ce n'est pas parfait, hein, c'est encore loin d'être parfait, ce sera mieux après. Mais là, logiquement, je peux déjà me débrouiller pour avoir. Hop, on va faire comme ça. Voir quelque chose de légèrement approchant. Qui va me permettre de faire un focus sur trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Pour faire un focus sur avril, mars, février, janvier, etc. Le fait est que par contre, les dates qui sont ici, elles n'ont pas changé parce qu'elles sont liées à ça et donc c'est ça qu'on va changer maintenant. Donc là, on a fait un gros travail qui est hyper important de rajouter des colonnes ici. Alors attendez, ça aussi je fais. Pour que ce soit plus clair, ça aussi je vais le modifier. J'ai fait 2,6, je vais faire 2,6 aussi. Donc on a rajouté des colonnes ici dans l'optique de pouvoir utiliser facilement des segments. C'est ce qu'on a fait depuis le début avec la colonne de focus et qu'on a rajouté ici. Et on avait déjà des colonnes sur lesquelles on avait besoin de rien faire. Les colonnes où il y a marqué sélection ici, c'est quoi le type et puis c'est quoi qui est le collaborateur. Bon, toutes ces colonnes nous ont permis d'avoir des segments, et là on a rajouté des colonnes exprès pour pouvoir plus facilement faire des focus sur des groupes de dates. Maintenant, on va passer au truc de comment est-ce qu'on fait pour que les dates qui soient là changent en fonction des segments que je choisis. Parce que là, c'est pas encore ce qui se passe, hein. Cette date-là qui a été créée en dur ne change pas. Donc ces dates-là ne changent pas. C'est ça la prochaine mission. Grâce à ça, du coup, on peut facilement faire des focus ici, mais on voit que ça n'a pas forcément l'impact qu'on voudrait ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que la date qui est ici, et en fait, on va pas la laisser ici parce que c'est pas le bon endroit, mais que la date qui est ici dépende de ce qui est sélectionné via nos segments et donc des lignes qu'on voit ici. Et pour faire ça, je vais rajouter une feuille. Je vais l'appeler peut-être calcul. Dans cette feuille-là, je vais peut-être faire. Je vais faire ça. Alors, je n'ai pas fait ça dans la correction, mais initialement que j'ai faite, je vais faire peut-être ça. Date. Et si je vais appeler ça focus début, focus mois 1, focus mois 2 et focus mois 3. Bon, juste pour info, hein, à chaque fois, je modélise en formation souvent avec des gens à leur demande. Une première version du cas, donc là par exemple c'était à peu près ça. Ensuite, je le fais moi-même en essayant d'optimiser quelques trucs et de faire en sorte que ce soit plus facile et de créer des fausses données pour travailler. Et puis souvent, quand je tourne la vidéo, je me dis, mais tiens, ça je pourrais le faire comme ça serait plus intéressant. Et donc là, c'est pile ce que je suis en train de faire. Juste, j'ai déjà tourné la vidéo, enfin, j'ai déjà préparé le fichier qui permet de faire ça, mais je me rends compte maintenant en tournant la vidéo qu'il y a des petits trucs que j'aurais pu améliorer. Et c'est ça que je vais faire. Donc là, en gros, j'ai mis juste un peu de mise en forme, hein, bien entendu. On va faire ça. Là, pareil. Peut-être zoomer un peu sur lui. Enfin, zoomer, agrandir. Donc là, en gros, je veux quatre données qui vont être récupérées de manière automatisée par rapport à ça et à mes segments. Focus début, c'est la première date qu'on va voir apparaître. Et du coup, ici, et donc il y a plein de manières de le faire, mais le plus simple, c'est d'utiliser un agrégat direct. Parce que là, il n'y a pas besoin d'utiliser le fait que là, on a fait une colonne focus, etc. La fonction agrégat, si je lui dis que je veux pas la somme, mais le min, hop, agrégat, je vais lui dire que je veux le min de toutes les cellules qui ne sont pas masquées. Donc j'ignore les lignes masquées. Et je vais prendre les dates. Donc les dates, elles sont ici. Juste à faire ça, il va me donner la première date. La date la plus petite, pas la plus en haut, hein, bien entendu, mais la date la plus. Alors je vais le mettre comme ça. Date courte. Donc là, il me dit c'est 2 janvier 2025. Je vais peut-être emporter ça et ça en faisant. Juste pour qu'on puisse le voir modifier ici. Si je lui dis que je veux le trimestre 2, bah forcément, c'est plus le 2 janvier. Si je lui dis que je veux pas le trimestre 2, mais que je veux le mois. De février, j'ai février, c'est le 3 février. Il n'y avait rien le 1er et le 2 février. Et s'il lui dit que je veux juin, voilà, c'est ça. Puis il y a des fois, hein, forcément, par exemple en mai,
En mai, bah, peut-être que je peux le voir comme ça. Je peux modifier le format pour si j'ai envie de le voir autrement. Vais mettre triple J. Comme ça, on voit que là-bas, jeudi 1er janvier, 1er mai, c'est un jour sur lequel il y a au moins une ligne qui apparaît. En avril, bah, c'est un mardi. En juin, bah, il n'y a rien le 1er juin, parce que bah, puisque le 2 juin, c'est un lundi, c'est-à-dire qu'il y a probablement aucune raison qu'il y ait un jour quelque chose qui apparaisse le 1er juin, puisque c'est un dimanche. Donc là, j'ai ça, et ça, je vais pouvoir l'utiliser. Mais pour pouvoir l'utiliser bien et correctement ici, il vaut mieux que j'ai les trucs qu'il y a en dessous, donc focus moins 1, focus moins 2, focus moins 3, qui vont partir de cette date, mais qui vont récupérer la première date, donc le premier du mois. Et donc pour faire ça, je vais faire fin mois. Je vais lui montrer fin mois déjà une fois. Donc fin mois de cette date-là, et je vais prendre moins 1, ce qui va me permettre d'aller à la fin du mois précédent. Maintenant, date courte, je vais centrer. Je peux peut-être zoomer un peu temporairement. Et du coup, bah là, j'ai le 31 mai 2025. Sauf que moi, je voudrais que ce soit le focus, que ce soit le premier jour du mois et pas le dernier jour du mois d'avant. Je peux faire plus 1. C'est bizarre encore cette histoire de moins 1 plus 1, mais dans certains cas, c'est vraiment les manières les plus simples. J'aurais pu faire d'autres choses, hein, mais franchement, c'est la manière la plus simple. Du coup, là, quelle que soit la date que j'ai ici, j'ai le premier jour du mois. Si je lui dis que je veux faire un truc en mars, 1er mars, alors que ici j'avais rien avant le 17 mars. Et pour les dates d'après, je vais faire égal mois décalé. Vous allez voir à quoi tout ça, ça sert après. Égal mois décalé de ça, 1,2. Et donc ici, quelle que soit la date que j'ai là, j'ai trois dates qui vont avec, qui sont le premier jour de ce mois-là, le premier jour du mois d'après et le premier jour du mois d'encore après. Donc j'ai utilisé mois décalé, là j'ai décalé de 1 mois par rapport à cette date. Et là j'ai décalé de 2 mois par rapport à cette date. J'aurais pu faire un peu légèrement mieux, mais on va l'améliorer après. Et du coup, ça veut dire que ici, la date qui est ici, j'en ai plus besoin. Alors si je l'enlève maintenant, ça va renvoyer une erreur. Et ici, la date que j'ai mis, où j'ai mis D4, c'est plus ça que je vais prendre. Je vais prendre la date qui est ici d'ailleurs. Et donc pour pouvoir lui dire, bah, au lieu de lui dire, bah, je vais remplacer D4 par cette date-là, et puis mettre des dollars, etc. C'est pas ça qu'on fait en général. On va venir juste nommer ces cellules pour que ce soit plus facile à utiliser. Donc là, par exemple, celle-là, je vais nommer cette cellule focus début. On n'a pas le droit de mettre d'espace, donc je mets des underscores. Ensuite, là, je vais nommer cette cellule focus mois 1. Je vais nommer celle-ci focus mois 2. Et puis celle-ci, focus moi 3. Alors, si vous ne faites pas ça et que vous dites, bah non, mais je préfère mettre juste l'adresse de la cellule, etc. Évidemment, vous faites comme vous voulez, je ne suis pas là pour vous surveiller, ni vous. Mais clairement, vous aurez conscience de la dette que vous accumulez en termes de manière de faire et de process. Et à ce moment-là, ce ne sera pas grave, il faudra juste changer. Mais du coup, à un moment, vous allez vous rendre compte que c'est une mauvaise manière de faire. À un moment, vous allez vous rendre compte que de manière générale, faire égal D8 ou n'importe quoi, c'est une mauvaise manière de faire dans Excel. Si c'est pas maintenant, si c'est trop tôt, si c'est pour plus tard, faites ce qui vous paraît le plus cohérent, pas de souci. L'important, c'est que vous fassiez ce qui vous semble bien et que bah, vos manières de faire, elles évoluent avec vos compétences. Si c'est trop tôt, bah, c'est trop tôt, vous le ferez plus tard. J'ai juste mis un peu en forme. Et donc là, bah, cette cellule-là, je l'ai appelée focus début. Ce qui fait que, en vrai, ici, je vais refaire ma formule en disant bah, c'est plus B5. Ici, c'est. Si je sélectionne à nouveau B5, il va l'appeler focus début. Ici, pareil, c'est plus B8. C'est focus moins 1. Et ici, pareil, c'est plus B8. C'est à nouveau focus moins 1. Et du coup, bah, vous voyez que les formules que j'avais mises, où j'avais mis des B8, D5, C3 ou n'importe quoi, et bah, en vrai, il n'y a plus jamais. Hein. Ça commence à ne. La règle, ça va être ne plus jamais utiliser ça. Ici, on voit que déjà, il n'y a aucun endroit où j'avais un B8, D7, etc. De là, pareil, aucun endroit. Il y a tout le temps des références structurées, des références précises, qui ne sont pas géographiques, qui sont le nom, peut-être le sous-nom de ce que je veux. Et ici, bah, du coup, mon D4,
vais dire, c'est pas D4, c'est focus moins 1. Alors, moi, j'ai d'autres trucs ici. D'ailleurs, je vais les supprimer. Formule gestionnaire de nom, c'est des trucs de avant. On voit ceux qui sont en ref. C'est dans ma. J'ai supprimé tout ce que j'avais pour refaire une version où je commençais de zéro. Mais du coup, vous voyez que j'ai changé un peu les noms. Sinon, j'ai plein de trucs qui sont en erreur. Mais. Ouais, c'était les seuls, hein, je crois. Donc ici, maintenant, cette formule-là, je vais juste dire que bah là, c'est focus moins 1. Vous voyez que là, comme j'ai mis mars, ici, j'ai les dates de mars. Ici, j'avais mois décalé, etc. Je vais plutôt faire focus moins 2. Donc, normalement, si j'utilise mes segments correctement, alors ici j'ai pas encore fait le truc, hein, mais j'ai pas encore mis cette formule, d'ailleurs je peux la mettre, c'est on améliorera après, mais je peux la mettre, j'ai juste à faire ça, je regarde ma formule, tap, tap, etc. C'est parfait. Donc là ça veut dire que s'il lui dit bah, trimestre 1, j'ai ça, s'il lui dit trimestre 2, on voit que tout change. Donc ça va commencer à être bien. Trimestre 3, s'il lui dit bah, je veux voir un focus, alors c'est pas parfait, mais en juillet, bah, j'ai des choses là. On va voir le détail après, mais en tout cas, ça a l'air de bien fonctionner. Si je fais un focus sur trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, tout change. Et si je prends le trimestre 1 et que je lui dis, bah, je veux voir maintenant Étienne d'un côté et Sarah de l'autre, je vois bien que ça se met à jour. Et c'est la même logique, hein, qu'on a utilisée, parce que cette formule-là, on ne l'a pas changée. On a juste continué à dire que ça dépendait de ce qui était affiché, des lignes qui étaient affichées ici. Et pour trouver les lignes qui sont affichées ici, on passe par la colonne focus. Et du coup, là, en vrai, si on en est là, on a fait le plus dur. On a vraiment fait le plus dur. On va faire maintenant bah, de l'esthétique, hein, parce qu'il y a une petite différence entre ça et ça. Mais clairement, techniquement, on a toute la logique. Et on va juste pousser quelques trucs déjà d'un côté esthétique et de l'autre côté d'un côté un peu technique pour aller anticiper des cas plus complexes. Prochain objectif, vous allez voir, c'est tout simple. Ça va être d'obtenir quelque chose d'un peu plus visuel sur les noms des mois avec un récap du nombre d'heures. Du coup, hop, je suis ici. Là, nous, on a fait en sorte que cette ligne-là, on n'en ait plus besoin. Donc, je peux tout à fait la supprimer. Dans tous les cas, on ne l'utilise plus. Puisque dans notre formule, on fait appel à la fonction, enfin, à focus moins 1, qui est ici. Pardon, ici. Qui est cette cellule nommée. Donc voilà, j'ai supprimé la ligne et en contrepartie, je vais agrandir cette ligne-là. Donc je vais dire qu'elle fait 30. Peut-être réduire un peu celle qui est ici pour dire qu'elle fait que peut-être 8. Voilà, l'avoir en plus petit. Et je vais faire en sorte que. Bah déjà, celle-ci, elle peut être masquée. Est-ce que je vais. Ouais, je vais masquer celle-ci. Masquer. Alors c'est rare de masquer. En général, moi, je ne vous encourage pas spécialement à masquer des lignes en dehors des outils groupés, mais là on est sur un cas où c'est tout à fait cohérent. Et notamment, en vrai, les tableaux sont des outils géniaux, mais qui ont parfois des contraintes. Moi là, je préfère la masquer, parce que j'ai pas envie d'avoir le détail de date, jour, planif, d'autant qu'on voit pas tout. Je préfère vraiment masquer ça. Et avoir ici un récap là-haut, donc je vais faire accueil, fusionner et centrer. Centrer comme ça, je vais mettre voilà, en plus foncé, je vais mettre en blanc, je vais mettre en gras, peut-être augmenter un tout petit peu la taille, voilà. Je vais faire ça, et donc là, moi, je vais marquer le janvier. Peut-être je vais faire un dernier truc, c'est que je vais faire affichage et enlever le quadrillage. On va commencer à se rapprocher de ce que je veux à la fin. Et du coup, là, il y a marqué le janvier, et évidemment, je voudrais que si je fais un focus sur trimestre 2, puisqu'ici, c'est le mois d'avril, là, forcément, on est sur le 1er avril, et ben, je vais vouloir que ce qui se marque ici, ce soit avril, hein, bien entendu. Pour faire ça, c'est assez facile, on l'a déjà fait en plus, ces textes de cette cellule-là, je peux tout à fait la prendre là, où je peux faire un focus moins 1, ça fonctionne très bien. Et je vais dire que je veux MMM avril. Donc là, si je me mets là, janvier, etc., ça change. Hein. Si je dis que bah, finalement, je veux commencer en septembre, en juillet, bah, j'ai forcément juillet ici, puisque tout est dynamique, puisque j'ai pris focus moins 1 et que focus moins 1, c'est cette date-là. Donc là, j'ai fait ça. Je pourrais tout à fait aussi faire texte de cette cellule-là, si je veux, hein, ça fonctionne très bien, mais bon, c'est le même résultat. Donc là, je vais faire un nom propre, juste pour mettre une majuscule au départ.
comme c'est le cas ici, le nombre d'heures totales du mois. En tout cas, pour ce qui est sélectionné. Et donc, pour faire ça, je vais faire et, une guillemets, je vais mettre ça, je vais mettre par. On va commencer par ça. Je vais mettre par exemple, ensuite, 1000. Juste un test avec le nombre 1000 et 1000. Je vais dire que je vais continuer avec une parenthèse fermante. Donc là, je fais ça. Ça ressemble un peu à ça. Évidemment, je n'ai pas 1000 heures. Moi, il faudrait que je compte le nombre d'heures qui sont dans ce mois-là. Et le nombre d'heures qui sont dans ce mois-là, je peux les avoir en faisant un somme si ensemble de bah, la même chose que ce que j'avais déjà fait. Hein, donc je vais ouvrir et fermer. Donc je vais la récupérer là. Somme si ensemble et ensuite je lui donner le tab planif, etc. Tiens d'ailleurs, pour que ce soit plus facile à lire, n'hésitez pas à le faire chez vous aussi. J'aurais pu très bien dire que ça c'est tab planif. Va me faire des formules moins longues en fait. Ça va être cool. Ça va, hop, on a des formules moins longues ici. Donc là, je vais copier tout ça. Hop. Si je fais ça, ça fonctionnerait à peu près, sauf que bah, du coup, ma date, je vais l'enlever, en tout cas pour l'instant. Donc j'ai la somme des durées à la condition que la ligne soit affichée. Du coup, ça veut dire que bah, si je prends trim 1, j'ai moins, trim 2, j'ai moins, etc. Mais du coup, c'est la ligne qui est affichée. Donc là, par exemple, ce serait cohérent pour cette colonne-là si j'avais sélectionné janvier. J'ai sans doute 136 heures en janvier. Si je prends Étienne, ah, j'ai sans doute 94 heures et Sarah seulement 42. Là, on fait 7 fois 6, 42. Il y a 7 jours de 6 heures. Non, 6 jours de 7 heures. Et du coup, ça fait 42, ça fonctionne bien. Mais sauf que dès que j'ai plusieurs mois de sélectionner en même temps, je voudrais qu'ici, il récupère uniquement les données de ce mois-ci, puisque je suis en janvier. Et donc, il va falloir que je remette, hop, le fait de lui dire, alors je peux me mettre ici ou à la fin, n'importe. Je vais lui redire. On va essayer comme ça, fin mois. Non, il veut pas. Alors vous voyez que là, il n'écrit pas la bonne référence. Il écrit dans la feuille planif et pas dans la table planif. Donc je vais sélectionner comme ça. Dans la table planif, la colonne fin mois. Fin mois. Propose. Je voudrais que ce soit le même résultat que la fin du mois de, donc fin mois, que fin mois, on est sur le mois 1, donc focus, mois 1, point virgule 0. Donc en gros, là, je lui dis, j'ai deux conditions, je peux facilement, je vais sauter des lignes à d'autres endroits, ce sera légèrement plus facile à lire, donc on a le nom propre du mois, ensuite on a le somme si ensemble qu'on a calculé, puis ensuite on rajoute une parenthèse à la fin. Et du coup, là, le focus mois 1, je l'ai utilisé ici pour obtenir le nom du mois, et puis je l'ai utilisé une deuxième fois ici pour calculer la fin de mois et avoir quelque chose qui me donne la même chose que ici, le calcul de la fin de mois. C'est plus simple de le faire comme ça, même si on aurait pu faire d'autres choses. Donc là, normalement, ça devrait bien fonctionner. Je vais juste faire en sorte que ici, ça m'écrive texte. Enfin, je fasse une fonction texte qui me permette d'avoir le contrôle du résultat que je veux. Et moi, je veux 0,0. Si je fais ça heure, il y a des petites subtilités. Donc, plutôt faire comme ça. 136,0. Je veux qu'il me mette un 0 quand une virgule. Et je veux dire qu'à la fin, je vais terminer par heure. Peut-être avec un espace heure. Donc là, si je fais un focus sur Étienne. Dans ma capture, j'ai quoi? J'ai 97,5 heures. Alors, je vais peut-être changer quelque chose entre-temps. Ce serait tout à fait cohérent. Mais du coup, là, j'ai 94 heures. Si je fais un focus sur bah, Trim 2, j'ai 80 heures pour Étienne en avril. Et du coup, ça a l'air de bien fonctionner. Ce que je vais vouloir faire, c'est juste peut-être simplifier légèrement ça. En tout cas, éviter de sélectionner une fois moins. Juste peut-être faire ça. Alors, c'est pour. En vrai, il n'y en a pas besoin. C'est juste pour vous faire passer des caps dans des cas plus complexes, pour vous permettre, si vous le voulez, vous pouvez arrêter cette formule-là, là, hein, mais sinon, je vais tout le temps un peu plus loin, pour vous permettre de passer des caps. Donc, je vais faire le focus, ou le mois, point virgule. Donc, je rajoute une fonction let qui va me permettre de variabiliser un truc. Le mois, ça va être ça, point virgule. Comme ça, ici, au lieu de d'écrire deux fois focus mois 1, d'aller le sélectionner deux fois, je vais juste faire le mois, et ici, pareil, le mois.
J'ai fait, si jamais c'est pas clair, prenez le temps, mettez pause, faites-le tranquillement, mais en tout cas là j'utilise une fonction let pour variabiliser certaines parties de mon code pour qu'il soit plus simple à lire. On pourrait améliorer des trucs, on aurait pu utiliser vraiment une quasiment qu'une fonction texte, une seule fonction texte pour la totalité du truc, enfin une fonction texte, et à l'intérieur mettre tout ce qu'on a mis. Mais en vrai, bah ça sert à rien d'optimiser au niveau maximum. Donc là, c'est pas mal. Je vais juste réduire peut-être la taille de la police. Alors, voilà, c'est très bien. Et donc là, si je fais ça et que je fais ça, juste à lui dire que ici, bah focus moi 2, au lieu de le changer à deux endroits, je vais le changer directement juste là. Donc là, j'ai 80 heures. C'est-à-dire que si ici j'ai 80 heures, c'est-à-dire que si je commence au mois d'après, si je commence en février, c'est ici que j'ai 80 heures. Et c'est logique, hein. Donc là, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, donc c'est-à-dire que j'ai mes titres qui sont ici, qui sont pas mal. Prochaine étape, je vais m'attaquer à avoir vraiment cette structure-là, même si les graphiques qui sont là, je les ferai après, même si cette partie-là, je la ferai après. Je vais m'attaquer à avoir le même résultat visuel que là, quitte à attendre un peu, du coup, pour les mises en forme des week-ends, des jours fériés, des trucs comme ça. Donc tout ce qui a été fait là, ça a été fait en travaillant sur des aspects techniques principalement. Mais là, je vais reprendre cette capture-là, je vais la mettre ici, et on va faire un peu moins de technique, un peu plus de visuel. L'objectif des quelques minutes qui vont venir, c'est d'avoir le même rendu, en tout cas la même structure visuelle que ce que vous avez ici. Peut-être mettre encore en plus petit. 7. L'idée, c'est juste qu'on puisse se dire, bah voilà, c'est ça l'objectif. Donc, déjà, j'ai à peu près un tiers, un tiers, un tiers de mon écran. Alors déjà, ouais, je suis en 90. Et je n'ai pas ça qui est affiché. C'est la combinaison des deux fait que je sais que si je suis à 90% sur mon écran, que j'ai un peu de place là-haut et que j'ai pas le ruban qui est affiché, donc j'ai double-cliqué ici, bah je sais que je vois jusqu'au dernier jour, je vois les 31 lignes de mon tableau et c'est plus ce que je veux. Alors je crois que je peux voir que ici, il vaut mieux mettre 5, ce sera plus petit, je gagne encore un peu de place, et que j'ai sans doute un peu plus de place là-haut, peut-être ici. Je vais mettre 85. Bon, 80. Des tout petits tocs pour que ce soit comme je veux. Et là, je vais rajouter des lignes. Hop, voilà. Comme ça, j'ai un header, en gros, là-haut, qui me permet de mettre des éléments pour bien les identifier. J'ai deux de mes trois tableaux ici. Je vais déplacer un peu ça et ça. Je vais agrandir là, ça, pour que ça fasse plutôt peut-être 50. Ouais, 50, ça a l'air pas mal. Je regarde par rapport aux proportions qui sont là. Je pourrais ouvrir le fichier initial et prendre exactement les mêmes proportions, mais bah, c'est pas comme ça que j'ai fait la première fois. J'ai fait du bricolage, j'ai testé au fur et à mesure. Là, je vais prendre ces deux segments-là et les ramener plutôt de l'autre côté. C'est les deux segments qui sont là-haut, avec d'abord le collaborateur en haut, ensuite l'autre en bas, et surtout les deux vont être sur une seule ligne. Segment. Par exemple, quatre colonnes, la place pour quatre colonnes, et je vais réduire la taille, peut-être augmenter ça. Ouais, je mets 0,9 ici en hauteur de bouton et je mets 2 cm là et je vais mettre ici 8,5. Voilà, je fais ça. Là, je vais faire exactement la même chose, 8,5, 4, 0,7, 0,9, pardon, et réduire ici à, je lui ai dit combien? Alors on voit que là, bah, il manque peut-être un peu de place, donc ça se trouve, il faudrait plutôt que je fasse ici que ça fasse 60. On va faire peut-être 50, 58, 55. Petits ajustements, normal. Et puis là, du coup, je vais essayer de augmenter ça. C'est pas parfait, on verra les ajustements après. Mais en tout cas, j'ai la place d'avoir mes segments là-haut qui vont me permettre de faire mes focus comme je veux. Ces segments, on voit que là sur le côté, ils sont à chaque fois, donc les segments et ensuite les graphiques et les cartes, ils sont dans des rectangles arrondis. Ces rectangles arrondis, ça me permet d'avoir une structure, un template un peu, qui est plus propre. Ces rectangles arrondis, je vais aller dans insertion, illustration, forme, et je vais prendre des rectangles arrondis ici. D'abord, il n'y a rien de sorcier. On va peut-être faire celui du haut d'abord. Faire un truc comme ça. Je vais faire en sorte que, hop, j'ai le CTRL X, je le coupe.
Et je le colle pour qu'il soit bien aligné au début de ma cellule. C'est très bien. Là, il a l'air d'être aligné à la fin de ma cellule aussi. Faire ça et donc format de la forme. Mettre en blanc. Je vais le reculer à l'arrière-plan. Je vais enlever le contour. Ça commence à ressembler un peu, hein. C'est pas parfait, mais ça commence à ressembler. Je vais dire que ici, hop, l'arrondi, il est moins énervé. On va faire un arrondi un peu comme ça, moins une bulle. Hein. C'est pas ça que je veux, c'est un arrondi plutôt comme ça. Donc je maîtrise l'arrondi, et juste pour qu'on voit bien, ah bah tiens, peut-être que tout ça, tout le reste, faire ça, j'ai pas fait. Et tout ça, jusqu'à une 40, je vais mettre une couleur très très claire. Ça va me permettre de faire ressortir le blanc et ressortir d'autres trucs. Alors est-ce que c'est ça qui serait bien? Peut-être ça. Alors, on modifiera après. Alors là, je l'ai fait un peu sur tout, de manière trop brutale. Je vais le faire uniquement sur ça. C'est à la mano, hein, c'est pas grave. Alors, je vais agrandir ça pour pouvoir le faire plus facilement. Si vous savez exactement où vous allez, la mise en forme, vous la faites dès le départ, comme ça, vous n'avez pas besoin de faire du fignolage à la fin. Bon, bah, moi, de temps en temps, je le fais dans le mauvais ordre, ça m'arrive, mais c'est pas grave. Et donc là, je fais ça. Donc, on voit mieux un peu ma forme par rapport à cette forme-là. Je vois que bah, j'ai pris trop de place. Je vais faire un peu moins. Je vais faire en sorte que ça arrive là. Je vais sélectionner ces. Alors, je peux encore agrandir. Voilà, je vais le faire à 10. Donc, je vais sélectionner ça et ça. Tout centré, comme ça. Centré, comme ça. Et ensuite, je vais juste faire en sorte que ça et ça. Si je décide de les grouper et ensuite de. Enfin, quoique, en vrai, on s'en fiche. On voit bien que c'est plutôt bien disposé. Je peux peut-être descendre un peu pour que ce soit au milieu, visuellement. Et puis ces segments-là, et puis les autres aussi, je vais mettre plutôt cette couleur-là, cette manière-là pour que ce soit la même chose. Je vais le faire sur les autres. Donc ça va commencer à ressembler. Hop, on va descendre celui-là, on va remonter celui-là pour que ce soit au millimètre, mais on s'en fiche, évidemment. Et ensuite, je vais prendre ça, cette forme, et puis je vais la prendre une deuxième fois. Je vais tiens, je vais la couper, la mettre là et la descendre, en gardant un peu les mêmes proportions que j'ai utilisées partout, par exemple cette hauteur-là. Ouais, je veux que ce soit à peu près la même entre ça et ça. Bon, c'est des détails, c'est vraiment pas très important. Je le fais tranquillement. Et puis là, je vais agrandir comme ça. Alors, jusqu'à aller en bas de ce tableau. Là, l'important, c'est que ce soit. Bah, ouais, que ce soit bien à peu près millimétré. Et puis là, je vais du coup pouvoir réduire pareil l'angle du rectangle arrondi. Ce rectangle arrondi, hop, je vais copier. Coller et en faire un deuxième plus petit à l'intérieur que je vais mettre dans l'autre couleur, comme c'est le cas ici, et je vais le rendre un peu moins large. On va faire 9,7, 9,6, et je vais le centrer par rapport à ça. Donc accueil, on sélectionne les deux formes, format de la forme, si jamais je suis allé trop vite les autres fois, et je vais centrer pour que le rectangle qui est à l'intérieur soit au centre du rectangle qu'à l'extérieur. Okay. Et donc maintenant je vais réarrondir, hop, les angles ici. On voit pas forcément hyper bien celui-là ressortir. On va peut-être le faire ressortir un peu plus. Comme ça. Alors, au moins comme ça. Et je sais que ça peut paraître inutile et vous le faites pas si vous n'avez pas envie. Mais moi j'aime bien me dire que bah, j'ai le contrôle sur la totalité des trucs. Et donc là, par exemple, ce rectangle-là, qui s'appelle rectangle coin arrondi 9, je vais l'appeler rectangle 1. Celui-là, je vais l'appeler rectangle 2.
Et celui-là, je vais l'appeler rectangle 3. C'est con, mais il y a des cas où ça va permettre de mieux vraiment s'y retrouver. Donc là, j'ai ça. Donc je commence à avoir un peu cette structure. Maintenant, on va gérer les segments qui sont là-haut. Et peut-être que j'ai mal fait des trucs. Ah non, tout est sur une ligne. Donc là, j'avais un segment qui fait 2 avec des boutons de 0 au 9. Je vais faire la même chose. Alors, peut-être pas celui-là, les autres. Ça, ça et ça. Donc 2 de hauteur. 0,9 la hauteur des boutons. Et du coup, je vais mettre au moins 2 colonnes par rapport à ça. Ici, je vais lui mettre plutôt 4 colonnes. Et ici, je vais lui mettre, pour qu'on voit bien les 3 mois de chaque trimestre, 3 colonnes. Ça, j'ai ça. Maintenant, je vais juste les disposer tranquillement, bah, aligner là-haut, là. Donc là, j'ai besoin de plus de place. Je vais peut-être lui laisser cette place-là à lui. Lui, je vais lui donner aussi un peu plus de place. Peut-être que ça, ce sera très bien. Ça va être des petits ajustements. Et puis maintenant, je vais descendre un peu tous les trois. Et juste faire ça, ça et ça. Et les aligner vers le haut. Hop, j'aligne vers le haut. Qu'ils soient bien alignés. En tout cas en hauteur et que ça fasse propre, c'est pas parfait, bien entendu, mais ça fait propre. Hop. J'aligne au millimètre. Et du coup, je vais m'attaquer maintenant à cette nouvelle colonne qui nous manque, hein. Il nous manque le tableau du dernier mois. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça. Je vais le mettre là. Ah, tiens, je vais sélectionner ça aussi. Je vais le mettre là. Bien, je vais sélectionner ça et ça et accueil. Coller la largeur des colonnes. Et comme ça, normalement, si maintenant je lui dis simplement que là, on passe à moins 2. Non, là, pardon, c'était moins. Ici, on passe à moins 2. Et ici, il l'a déjà fait. Et ici, on passe à moins 3. Normalement. Ah, j'ai peut-être pas bien fait là. Moins 2. Et que là, de la même manière, on a focus moins 2. Oui, c'est pour ça que j'ai fait le LED, ça m'évite de changer à plusieurs endroits. Et ben, on a bien janvier, février, mars. Et ça veut dire que bah, si je fais un focus sur le trimestre 3, j'ai bien juillet, août, septembre. Focus sur le trimestre 2, etc. Et puis, tout fonctionne bien. Et donc là, il nous reste un peu de place sur la droite. Et sur la droite, on va bah, prendre ça. Alors je vais faire une colonne qui fait largeur 3 ici. Je vais dire que là je veux j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Je vois que j'ai 5 colonnes en bas. Est-ce que là j'en ai 5 aussi? Bah, c'est bon, c'est que tout fonctionne très bien. Tout s'ajuste logiquement. Et donc là je vais. Alors je remets ça pour que ce soit plus simple d'interagir. Là je vais juste dire que ça c'est le focus. Peut-être j'avais mis juste focus, mais je vais appeler ça focus quotidien pour dire c'est un focus sur une journée. Donc focus quotidien. Et là, je vais mettre ici. Alors, on va faire pareil. Ctrl X. Ctrl X, en vrai, quand vous manipulez des segments ou des graphiques, c'est vraiment super bien. Si vous ne l'utilisez pas, si vous n'avez pas pris cette habitude, je vous conseille de vous y mettre. Ça vaut vraiment le coup. Vous allez gagner du temps. Alors là, vous voyez que c'est un peu petit. Donc je peux mettre maximum 10. Ou sinon, il faudra que j'agrandisse un peu. Bon, 10, du coup là je perds un peu, mais c'est pas grave. 4,1. Voilà, c'est très bien. Donc là, j'ai les jours sur lesquels je peux faire des focus. Si je fais un focus, bah du coup, c'est un peu bizarre si on n'utilise que ça. Parce que là, je dis le 31, je vais avoir que les 31 du mois. Bon bah évidemment, c'est plutôt même l'ordre dans lequel on voit les segments. On voit d'abord les segments les plus généraux sur lesquels on va faire le plus gros focus, puis à droite les plus précis. Du coup, bon bah cette logique-là, on l'utilise un peu partout. Je vais modifier la largeur de mon segment. Alors, hop, CTRL X, encore une fois. Je vais faire en sorte que lui, hop, il arrive au bout pour que ce soit un tout petit peu. Pas esthétique, mais cohérent en termes de forme. Alors lui, je vais le remonter maintenant. Aligné en haut.
Et normalement, je commence à avoir un truc qui va bien fonctionner visuellement. Avec, j'ai la partie générale avec des grands indicateurs, les graphiques que je vais faire après. J'ai la partie avec mes 3 mois. Et puis j'ai la partie sur laquelle je peux faire un focus en bas. Alors je vais préparer ce focus en bas. Je vais faire fusionner et centrer sur 2 lignes ici. Hop. Je pense que c'est ça. J'ai mis ici un. Je vais mettre un lorem ipsum. On verra après. Lorem ipsum. Et puis en dessous, j'aurai un petit tableau sur lequel je vais pouvoir avoir des infos que je veux. Tiens, on va regarder juste à quoi ça ressemble en gros, ce petit tableau. C'est collab type début fin durée. Collab type début fin durée. Évidemment, on pourrait faire un truc en plus si on voulait. Hop. Et du coup, comme je veux qu'on voit bien quand même. Bah, chacun des intitulés, je vais les fusionner, qu'on comprenne bien qu'il y a des titres et des sous-titres, qu'on comprenne bien qu'il y a des titres et des valeurs aussi. Je vais la fusionner et donc là je vais avoir collab, type, début, fin, durée. Je vais mettre ici une bordure de cette couleur-là et la mettre partout. Et centrer ces trucs-là et les mettre hop dans la même couleur. Je voulais pas ici sur le côté qu'on voit les bordures parce que c'est moins beau entre guillemets. Et voilà, je m'approche en tout cas pas mal. Je peux faire ici peut-être les bordures comme ça. Voilà, je m'approche pas mal de l'aspect général que je veux pour le rendu final et surtout je sais que bah techniquement, ça fonctionne. Les focus, ils fonctionnent. Là, j'ai que janvier, bien entendu, que février, que mars. Ça met plus les autres mois parce que je décide de pas faire de focus sur ça. Mais là, je peux avoir des ensembles de 3 mois, trimestre par trimestre. Du coup, là, ça fonctionne bien. Donc, prochaine étape, on va faire les trucs qui sont ici. Ensuite, on va s'occuper de la mise en forme conditionnelle qui est là. Et ensuite, on va faire un switch qu'on n'a pas encore fait parce que le somme si ensemble, c'est puissant. Mais clairement, on est un peu en dessous de ce que je voudrais qu'on ait à la fin. Et du coup, on va abandonner notre précieux somme si ensemble agrégat pour un truc plus complet, plus puissant, qui est un filtre agrégat, et vous allez voir pourquoi. Donc, prochain objectif, c'est le rectangle qui est ici, à gauche, et qui va représenter plus graphiquement les données, et plus de manière aussi un peu plus synthétique, les données qu'on va avoir sur notre tableau de bord. Donc, vous voyez qu'ici, si je mets en grand, vous avez le nombre total d'heures de ce qui est sélectionné. Et ici, on a un graphique qui représente la répartition par personne et ici la répartition par type. Ensuite, on a un autre graphique qui représente la répartition dans le temps, par mois. Nous, on va faire ça. On va commencer par le plus simple, hein. Ici, le fait qu'il y ait marqué bah, le nombre total d'heures, si on prend le trimestre 1, va finalement cumuler 536 plus 80 plus 50. Et si on prend tous les trimestres, ça va cumuler, bah, les trimestres 1, 2, 3 et potentiellement 1, 2, 3, 4. Et pour faire ça, on va retourner dans calcul. Alors, je vais me mettre là, faire ça, je vais faire peut-être. Non, peut-être juste ça. J'avais fait une partie avec les dates, je vais faire une partie avec les heures, par exemple. Est-ce qu'on va faire ça? Synthèse, sinon. On va faire une partie avec les synthèses, dans laquelle on va mettre total heure. Total, pas session, mais total événement. Alors désolé, moi je parle d'événement, c'est ce que j'ai trouvé pour dire bah, chaque ligne c'est un événement. Total événement, hop, total durée moyenne, tout à fait possible. Donc durée moyenne par événement, le nombre d'heures par événement. Et du coup, on va peut-être faire un autre. J'hésite. Non, ça va être. On va commencer par ça. Donc total heure, c'est très simple. Hein. On va faire agrégat, comme on avait fait ici un agrégat sur le min, agrégat de la somme, c'est le 9,5 pour dire on élimine les lignes vides, je veux les durées. Donc là j'ai 620 heures, ça me paraît cohérent par rapport à ce sur quoi je travaille. Hein. J'ai 620 heures et puis maintenant on va faire exactement la même chose avec les événements. Donc agrégat, mais pas la somme, on va prendre le nombre val, le nombre de valeurs, hop, et je vais prendre. Un endroit où je sais qu'il n'y a pas de ligne vide, ça peut être la durée, sinon en vrai, ça peut être la date. Moi, bon, j'ai plus l'habitude de prendre la date, la première colonne. On dit il y a 170 événements.
pour un total de 620 heures. Et évidemment, si je veux la durée moyenne, je peux faire ça divisé par ça. Mais pour poursuivre avec agrégat, je peux le faire avec agrégat aussi. Moyenne, c'est le 1. Ignorer les lignes masquées. Et je vais dire que je veux les durées ici. Donc il va me prendre la durée moyenne. Ce qui normalement, si je fais égal ça divisé par ça, me renvoie la même chose. Hein. Évidemment, c'est la même chose. Et si je fais un focus sur un trimestre ou un autre, ou un mois ou un autre, n'importe quoi, ça ne change rien. C'est le même calcul, mais j'ai utilisé agrégat partout. Je vais réduire le nombre de décimales. On va faire comme ça. Total heure, je vais peut-être mettre une décimale. Alors, il a décidé d'en mettre plein. Je vais peut-être mettre une décimale comme ça. Nombre d'événements, bon, bah, il n'y a pas besoin de décimales. Et ici, je vais juste faire en sorte d'afficher directement dans la cellule le bon format. Parce que vous allez voir que ça va être utile. Alors, je vais attendre de le faire juste après. Je vais le faire quand ce sera le bon moment. Donc là, moi, ce que je veux, c'est écrire ce 620 ici. Hein. Je ne vais pas l'écrire à la main. Je vais sélectionner ce rectangle. Je vais me mettre dans la barre de formule égale. Et je vais dire que je veux cette cellule. Mais encore une fois, on va pas le faire comme ça. Je vais venir ici. Alors, je vais pas le faire pour les autres parce que je vais pas les utiliser. Mais je vais dire ici que ça, c'est mon total heure. Comme là, j'avais fait focus, début, focus, etc. Là, je fais total heure. Et donc là, ça, je peux le copier. Alors, je sais pas si ça fonctionnait de faire égal. Si, égal total heure. J'avais pas besoin de le copier. Et donc là, je peux faire ça. Et vous voyez que ça s'est affiché. Je vais le mettre dans la même couleur que le reste de mon tableau. Je vais le mettre en gras. Le mettre là. Améliorer encore un peu après. Et là, vous voyez que ça va switcher. Ça va changer. Ça fonctionne bien. Ça me donne ça. Alors, j'ai mis une virgule. Peut-être que je vais l'enlever en vrai, finalement. Et ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais lui dire que ici, je veux que le format de cette cellule-là, ça affiche. Donc 0, et ensuite ça affiche le mot heure. Peut-être comme ça. Si je change le format ici, hop, ça a changé le format ici. Ça, moi, c'est ce que je voulais. Je voulais qu'on voit directement ici, qu'on comprenne que c'est des heures. Donc, je vais réduire un peu ça. 1,8, c'est très bien. Et je vais, ouais, peut-être que la police d'en dessous suffisait à voir. Et donc là, je vérifie que tout fonctionne bien. Si je prends Étienne sur le trimestre 1, il y a 224 heures. Si je prends Étienne en janvier, même si je le voyais ici, il y a 94 heures. Et du coup, ça fonctionne bien. Donc, première partie, cette partie-là, elle fonctionne bien. On a utilisé une forme, on a utilisé la fonction agrégat, et puis on a utilisé le fait que dans cette forme-là, on a fait égal. Et au lieu de faire égal la cellule, on a fait égal le nom de la cellule qu'on avait nommée. Ensuite, vous voyez que on va avoir des graphiques. Donc, deux graphiques en secteur. C'est cohérent qu'ils soient en secteur et pas d'autres trucs parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Du coup, c'est cohérent, mais on pourrait très bien se dire, je veux pas qu'il y ait, peut y avoir plein de types ou plein de personnes. Plein de collaborateurs ou plein de types, à ce moment-là, on ne prendrait pas des graphiques en secteur, on organiserait peut-être nos données un peu différemment, et on ne ferait pas ça. Mais bon, là, j'ai choisi de faire ça pour vous montrer bah, ce truc-là. Et donc, pour les graphiques en secteur, on va faire d'autres calculs à nouveau. Je laisse ça là, comme ça, on peut voir. Le calcul qu'on va faire, alors, on va peut-être les nommer, faire ça, je pense. Je vais faire une colonne plus courte ici et une colonne plus courte ici pour que ce soit plus facile à suivre. On va agrandir les largeurs des colonnes. On va faire 12-12. 15-15, allez, plutôt. Et donc ici, je vais avoir, je le mets comme ça. Je vais avoir répartition par collab et répartition par type. Enfin, c'est ça que je vais faire. Donc répartition par collab. Alors, je vais me mettre une ligne en dessous parce que je pourrais me mettre directement là, mais c'est juste pour que ce soit plus esthétique, mais même chose. Hein. Donc répartition par collab. Y a plein de manières de faire. Mais si vous voulez une manière qui va vraiment être dynamique par rapport à ce qu'on a fait, en gros, d'une certaine façon, il y en a deux.
Moi, je vais vous montrer la deuxième. Sachant que si jamais vous n'avez pas cette fonction, il va falloir bosser un peu plus et trouver d'autres manières. Moi, je vais vous montrer parce que j'aime bien prouver que ce que Microsoft sort, c'est utile et c'est puissant et c'est des bonnes manières de faire plutôt que de rester dans sa routine. Je vais faire avec une fonction groupée par, sachant que je pourrais faire pivoter par et je pourrais faire plein d'autres trucs, notamment avec des assemblées, etc. Je vais faire groupé par. Et donc groupé par, c'est une fonction qui va permettre de faire des groupes. Donc si par exemple je lui dis donc de regrouper des données, un peu comme des sommes si, sauf qu'il va automatiquement savoir de combien de trucs je dois faire la somme. Du coup, c'est groupé par, c'est un peu unique plus somme si. Mais c'est surtout ce que font les TCD normalement. Mais là, on ne peut pas utiliser les TCD parce que cette colonne-là, la colonne focus, elle n'est pas dynamique via les TCD. Là, elle est dynamique via les segments des tableaux. Bref, durée en heure, c'est ce dont je veux faire la somme. Du coup, ça va être mes valeurs. Moi, ce par quoi je veux faire les catégories de mes sommes, ça va être, vu que je suis dans, j'ai fait quoi? J'ai commencé par collaborateur, ça va être ça. Prends les collaborateurs et regroupe-les en différentes lignes. Ensuite, tu prends les heures et tu vas faire la somme, la somme ou autre chose. Et là, il va me demander ce que moi je veux faire. Je vais dire que je veux faire la somme. Donc ça, c'est l'équivalent d'un somme si ensemble plus unique. Étienne, Sarah, Total, etc. Ça fonctionne très bien. Je peux tout à fait lui dire, est-ce que je vais avoir besoin de le faire? On va voir si je le fais ou si je ne le fais pas. Alors, je vais peut-être tester de pas le faire. Je pense qu'il n'y en a pas besoin. On va vérifier. Insertion, graphique, en secteur. Alors, je fais juste un test. Hop. Si je fais ça, vous allez voir que si je sélectionne. Ah bah tiens, j'ai le total. Le total, je ne le veux pas d'ailleurs. Je vais devoir. J'ai pas fait gaffe. Total treatment, je vais mettre 0, aucun. Je veux pas de toto. Du coup, j'ai plus que deux lignes. Et ici, je peux lui dire, bah, hop, j'ai pas encore fini. Pardon, j'ai pas encore fini. Il va falloir que je lui dise de prendre en compte les lignes qui sont masquées. Et ça, c'est mon filter array. Et ce filter array, je vais lui donner, bah, un truc qu'on a déjà fait, mais qu'on va faire là aussi. Je vais lui dire ça est égal à 1. Je veux ne garder que les lignes qui sont égales à 1. Et donc là, logiquement, là, vous voyez que le graphique, il change. Si je fais un focus sur Mars, hop, hop, ça fonctionne bien. Du coup, voilà, je vais faire ça. Avant cette fonction-là, il aurait fallu faire des trucs un peu plus techniques, y compris avec les nouvelles fonctions. Il aurait fallu faire des assemble V, il aurait fallu faire des unique, des maps ou des bycall ou des byrow au moins, etc. Là, on a l'avantage de pouvoir faire un seul truc tout simple. Du coup, je vais faire ça, je vais préparer juste les données pour l'autre côté. Donc pour l'autre côté, ça va être la même chose. Hop. Je m'embête pas, je vais juste lui dire que c'est pas par collaborateur, maintenant c'est par type. Là, vous voyez que ça fonctionne aussi. Et dans un premier temps, je vais prendre que ce graphique-là, vous allez voir pourquoi. Je vais le CTRL X, CTRL X, le coupe, je me mets là, je vais le mettre là. Je regarde à nouveau, peut-être en grand, cette image-là. Hein. Je regarde cette image-là et je vais vouloir obtenir la même chose. Alors pour obtenir cette image-là, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va. Est-ce que j'avais gardé le titre? Non. Pas forcément besoin du titre là parce que ça, la légende va parler pour le graphique. Je retire le titre. Je vais me mettre comme ça. Je vais mettre en plus petit. Alors je regarde juste si j'en mets deux côte à côte. Mince. Est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce que j'ai vu trop petit? Alors, à mon avis, on a encore un peu de marge. Donc, je fais des petits calculs d'apothicaire. En vrai, on bricole et puis un jour, ça fonctionne. On va faire ça. Donc là, évidemment, si je fais que Étienne, bah, j'ai que Étienne. Si je fais que Sarah, j'ai que Sarah. Et s'il dit, bah, je veux que le commercial, on voit bien qu'il y a des gens qui font du commercial, des gens qui ne font pas, des gens qui adminent, des gens qui ne font pas. Je vais rajouter un truc qui est le fait de voir les étiquettes. Petit plus, étiquette de données, on va faire ajuster, sera très bien. Et par contre, ou non, on va faire, non, là on n'a pas grand-chose, on va faire bord intérieur, et je vais les mettre en blanc. Parce que là, ça va être suffisant. Peut-être en gras, je sais plus ce que j'ai fait là.
J'ai pas mis en gras. Bon, allez, c'est moins esthétique, effectivement, en gras, d'après moi. Enfin, je reviens en arrière, peut-être. Et je vais lui dire qu'est-ce que. Et je vais lui dire que je veux changer le jeu de couleur. Création graphique, modifier les couleurs. Je vais prendre ce jeu de couleurs-là, qui est cohérent avec tout ce que j'ai fait. Et maintenant que j'ai fait ça, alors peut-être je vais enlever aussi, pardon, contour. Je vais peut-être essayer de gratter encore un petit 100 mm. Alors pas de hauteur, pardon. Et de largeur, voilà, je vais faire ça. Donc maintenant, ce truc-là fait, ce graphique-là fait 5,5 et 5. J'ai fait tout ça et je vais faire clic droit, enregistrer comme modèle. Et comme moi, bah, je passe mon temps dans des vidéos à enregistrer des trucs comme modèle pour vous montrer cette fonctionnalité, je vais l'appeler AAAA, voilà, 5A et X, n'importe. Après, de temps en temps, je remets à 0, mais là, j'ai pas fait. Donc 5A et X, juste comme ça je m'en souviens, et ça va être un modèle. Et ce modèle-là, l'avantage c'est que j'ai juste à me mettre ici, insertion, graphique recommandé, et je vais aller dans tous les graphiques, modèle, et mon dernier, alors j'ai fait, voilà, il est là. Je coupe. Alors il n'a pas pris la taille, c'est pas grave, j'avais noté la taille que c'était, je crois que 5,5 et 5, je crois que c'est ça. Tiens, je vais peut-être agrandir encore un peu. C'est peut-être plutôt voilà, 5,3, 5,4. Enfin, même chose ici, 5,4. Ça va me laisser un peu d'amplitude. Pareil, je vais peut-être passer à 5,7 ici. Et du coup, je vais pouvoir. Alors, je mets ça de l'autre côté temporairement. Je vais pouvoir lui dire, bah tiens, ça, mets-le bien sur le côté. Dans tous les cas, il y a un peu de mou, hein. On a un peu de mou. Celui-là, pareil, mets-le bien sur le côté. Les deux, tu vas les ajuster vers le, les aligner en haut. Hop, aligner en haut. Et du coup, là, ça va bien fonctionner. Si je fais l'admin, si je fais le commercial, la formation, il y a deux personnes qui en font. La préparation pédagogique, il n'y a que Étienne. Le commercial, il n'y a que Sarah. L'admin, il n'y a que Étienne. Hop. Si je prends plutôt bah, en janvier, en février, bref, on voit que tout change. Donc ça fonctionne bien. Qu'est-ce que j'avais là? Ok. Bah non, bah ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Et du coup, prochaine étape, ça va être le graphique qui est en bas, qui lui va être un peu plus dur à faire. Un tout petit peu plus dur. Un peu plus logique sur certains aspects, mais un peu plus dur aussi. Donc c'est un graphique, hop, vous allez le voir ici, qui est un graphique chronologique mensuel qui va donner la répartition sur l'année du nombre de. Hop, on va voir comment on le fait. Ouais. On va voir comment on le fait. La répartition mensuelle des heures, mais sur une année complète, alors qu'ici on ne peut pas aller au-delà de 3 mois dans la façon dont on a structuré les données. Et donc, on va faire le bloc qui est en bas, et vous allez voir, c'est la même chose que ce qu'on a fait. Il pourrait y avoir des feintes, mais d'une certaine façon, je pense que finalement, j'ai rajouté des colonnes, pas de la bonne manière, donc c'est pas bon. Donc, il pourrait y avoir des feintes, mais je pense que maintenant, elles sont mieux prises en compte par la fonction groupée par, qu'elles l'étaient avant par les autres fonctions. Donc là, je vais juste lui dire que là, ici, je veux, peut-être je vais tout sélectionner, je vais prendre la fin de mois. Alors, je prends pas l'année. Parce que bah, ce serait trop gros, je prends pas le mois parce qu'il va pas faire la différence entre le mois de mars d'une année et le mois de mars d'une autre année. Alors que, mais du coup, je vais prendre la colonne fin mois qui contient le mois et l'année. Donc là, si je fais ça, alors j'étais en mars, donc je vais enlever ça. Je vais peut-être mettre ici, histoire de pouvoir bien gérer un format, mais on va bien comprendre un format qui est par exemple MMM. E pour mois année, on va faire ça. Donc E ou quadruple A, c'est la même chose. Et là, insertion, graphique, et on va faire ça. Donc là, normalement, ça a l'air d'être pas mal, de janvier jusqu'à février. Enfin, j'aime pas trop la façon dont c'est agencé comme ça, mais on n'aura pas forcément énormément le choix. On a des petites contraintes là de taille, donc on va voir comment ça fonctionne. Mais du coup, là, ça fonctionne. Si je prends trimestre 1, ça fonctionne. Trimestre 2, ça fonctionne.
Et un truc qui sera important pour moi, c'est de voir si je prends trimestre 1 et trimestre 3, voilà, il est, et ça, c'est bien fait, parce que là, on dirait que ça ne l'est pas, mais le graphique, il va réinterpréter ce truc-là. Donc là, ici, on pourrait, en gros, juste dire, bah, je vois 6 mois d'affilée, ça commence en janvier, donc le dernier mois, c'est juin. Le graphique évite cette lecture-là et va nous donner bah, avril, mai, juin, ils sont pas remplis. Et en vrai, ça, c'est un truc qu'on veut, c'est un truc qui est important, de pouvoir avoir une vraie vision calendaire de nos données chronologiques, plutôt que d'avoir une vision qui dit bah, j'ai mis janvier et août juste à côté parce que telle raison. Ou j'ai mis par exemple janvier et juillet à côté parce que l'ordre alphabétique c'est le même. Mais heureusement, ce qu'il fait ici, il ne le fait pas dans le graphique, donc finalement, on peut juste faire ça. Ce qui fait que là, je vais copier ça, enfin couper, le mettre là, on va voir ce que ça donne. Je n'avais pas fait comme ça dans la correction, surtout. Donc, j'ai juste bossé mon sujet un peu plus après et essayé de trouver des meilleures solutions. Vais faire comme ça. Je vais centrer ça, format, aligné, centré comme ça. Celui-là, je vais le réduire, je vais supprimer le titre, je vais supprimer le truc sur le côté. Ça a l'air pas trop mal. Je vais supprimer ce quadrillage-là parce que je préférais rajouter des étiquettes. Je vais les laisser. Alors, je vais les mettre de la même couleur, peut-être simplement. Et encore, non, c'est très bien comme ça. Je vais faire clic droit, mise en forme de la série de données. C'est-à-dire que je veux pas d'écart, pas de superposition et seulement 50% d'écart ou même 20% d'écart. 25% d'écart. Et en vrai, ça. Donc là, ça va de janvier à septembre. Si j'avais une date en plus, en octobre, novembre ou décembre, bien sûr, ça irait jusque-là. Et on va juste faire le test. Je le fais en live parce que je n'ai pas testé avant. Est-ce que si je mets que là, j'ai le 1-5-2026, par exemple, et que j'ai 7 heures ou 20 heures, on va mettre quand même un truc. Est-ce que ça prend bien ça en compte? Du coup, ce graphique-là, bizarrement lié à ces données-là, va réinterpréter, c'est quasiment de la BI d'une certaine façon, va réinterpréter pour ne pas avoir, pour ne pas oublier, omettre des mois. Du coup, ça fonctionne très bien, c'est très cool parce que sinon, ça aurait été. Moi, j'avais fait un truc qui, dans ma première version, qui empêchait ce genre d'erreur-là, mais en vrai, en testant de retrouver une meilleure manière de faire. Je me rends compte que le graphique fait le travail que la formule ici ne fait pas. Et du coup, ça fonctionne pas mal. Donc là, par exemple, si on prend uniquement Sarah, on voit qu'il n'y a que en janvier. Si on prend Étienne, il y a là. Et si on prend. Alors, on va peut-être faire un truc de. L'admin, il y en a partout. Le commercial, il n'y en a qu'en janvier. La formation, il y en a là. Et la prépa, il n'y en a que sur janvier, février, mars, avril. 12 heures, 12 heures, 12 heures. Du coup. Donc 48 heures en tout. Donc dans cette méthode-là fonctionnait très bien. Je vais juste enlever, hop, ici, le contour, sans contour. Et peut-être baisser ça un peu. C'est très bien. Et je me demande si je peux pas libérer du coup un peu de place pour là en augmentant la hauteur. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Si, voilà. Je vais mettre à 6. Et ici, je peux peut-être augmenter un peu aussi. Ça a l'air pas mal. Bon, je centre un peu parce que je suis maniaque. Centré. Il y a des gens que j'ai en formation après qu'ils aient vu mes vidéos et ils disent bah moi j'ai pris la formation parce que je suis aussi maniaque que toi et j'ai pas besoin de découvrir comment on fait des trucs moyens, j'ai besoin de découvrir comment on fait des trucs parfaits. Et du coup bon, c'est marrant, on se retrouve entre fous. Mais bah d'une certaine façon, être maniaque et très rigoureux sur certains trucs, ça permet d'être très créatif sur d'autres. Et je pense qu'il faut être un peu dérangé pour être créatif et qu'il faut être un peu maniaque pour être dérangé. Ou l'inverse d'ailleurs. Faut peut-être être, on est peut-être maniaque quand on est dérangé. Donc voilà. Cette partie-là, la partie qui est à gauche, normalement elle est terminée. Et maintenant je vais m'attaquer au dernier truc, la partie qui est à droite ici. Et on va voir au dernier truc pour avoir le même résultat que ce qu'on voit là. Et vous allez voir qu'on va faire une feinte après, on va rajouter un dernier truc encore. Qui va permettre d'aller plus loin que ce que on voit là, mais aussi loin que ce qu'on a vu dans la vidéo d'intro, même si je n'ai pas remontré ça au début.
dans le début de cette vidéo, dans la présentation. Donc on va faire ça, on va faire la mise en forme conditionnelle et ensuite on va faire le dernier petit twist. En enregistrant cette vidéo, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait là, je pense que c'est pas assez audacieux, pas assez ambitieux, pas assez qu'il y a moyen d'améliorer un peu. Donc je vais changer ce que j'ai mis là. Je vais faire un test, j'enregistre la vidéo. Si jamais je me loupe, vous ne le saurez pas. Mais du coup, je vais changer ce que j'ai mis là en rajoutant une colonne que je vais mettre là. Hop. On va voir, je vais faire ça. Ça va être collab. Et avant, je vais avoir date. Pour que ça fasse bien, il va falloir évidemment que je retranche peut-être ici un peu de place. Donc je vais dire que là, c'est 20, peut-être. Et puis là, on va voir date, collab, type, début. Alors peut-être que celle-là et celle-là, elles peuvent être faire. On va faire juste 10. On va tester en mettant tout en 10. Je pense que je manquerai un peu de place, mais c'est pas grave. Enfin, ça le fait à peu près. On va voir ce que ça va donner. Et donc, forcément, ça, je peux le réduire. Ça, je peux l'agrandir. Et ça, je peux l'agrandir. Donc là, j'ai mis quoi? J'ai mis 12,25, soit au centimètre près, je vais mettre pareil, au millimètre près, mettre pareil, et je vais aligner ces deux-là. Donc je croise les doigts pour que ça fonctionne comme je veux. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, alors attendez, je regarde comment je vais faire là. Ouais. Alors déjà, je vais juste faire le truc de une ligne sur deux, parce que c'est plus facile à lire. Donc une ligne est blanche, une ligne n'est pas blanche. Je le fais comme ça parce que on va utiliser une fonction filtre qui se propage. Et du coup, je peux pas faire un tableau avec des lignes alternées. Mais je voudrais donner l'impression que c'est un tableau. Pas pour embrouiller les gens, hein, pas pour feinter les gens, mais juste parce que c'est une lecture un peu plus visuelle, un peu plus simple. Alors, hop, on va faire. Donc là, je fais ça donne un peu l'impression que c'est un tableau. Je vais peut-être avoir des colonnes un peu trop petites, hein, on va voir. Mais on va gérer, dans tous les cas on va trouver, on va gérer, peut-être ici on fera un truc. Et du coup ce qu'on va faire c'est que je vais lui dire, bah, prends la première date, on va filtrer par exemple tout ça, tout ce tableau, carrément tout ce tableau, à la condition, j'ai pas compris, que ce soit visible. Donc ça veut dire que à la condition que ça ce soit égal à 1. Je vais faire ça. Évidemment, ça déborde à fond. Alors, je pourrais le faire en différentes colonnes, mais ça va me permettre de vous montrer différents trucs. Ça déborde à fond. Moi, ce que je voudrais, c'est, par exemple, ne garder, trier les, on va trier. Donc, là, mon tableau, non, il est déjà trié par date. Hein. Mais c'est pas grave, je vais trier au cas où ça ne le serait pas. Je vais trier. Je vais peut-être d'abord choisir les colonnes que je veux. Choisir colle. Je vais prendre les colonnes qui sont la date. Donc ça veut dire, je prends tout ça et je vais choisir la 1. Ensuite, je vais prendre du coup le collab. Ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La 11, je vous montre déjà ce que ça donne. La 12. Du coup, ça veut dire que je prends la 1. Ça, on va mettre que c'est des dates. Hein. Alors, on va aller que jusqu'au bout du tableau. Et si on va mettre que c'est des dates, format date, il me dit qu'il n'a pas assez de place. On va gérer ça en mettant peut-être pas ça pour l'instant. Ouais, c'est très bien. Ou peut-être mise en forme. Peut-être si je fais ça. Ouais, c'est peut-être pas mal. Je vais mettre un espace en plus. Je peux même ici mettre peut-être MM, le 2, 1, 3, 1, etc. Et moi, ce que je vais dire, c'est dans tous les cas, je vais continuer à choisir des colonnes, mais dans tous les cas, je vais prendre, là, j'ai combien de place? Je vais prendre les 18 premières. Donc, je vais prendre, faire prendre. Il me demande un nom. Je vais prendre les 18 premières. Donc là, ça s'arrête ici, hein. J'aurai rien en dessous, j'aurai rien de plus en dessous. Alors ça, je vais le décaler de 1. Et ici, je vais continuer à dire, bah, je veux le type, je veux d'autres choses, etc. Mais surtout, avant ça, si mes données, je dis que je prends les 18 premières, mais si jamais mes données ici n'étaient pas dans le bon ordre, dans l'ordre chronologique, parce qu'elles pourraient être saisies autrement, sans problème, à ce moment-là, je vais quand même lui dire de attention,
Avant de prendre les 18 premières, je vais les trier. Et je vais trier tout ce tableau-là en fonction de la colonne 1 et par ordre croissant. Donc ça veut dire par ordre croissant. D'ailleurs, je pourrais juste faire trier, ça suffit, il va comprendre. Donc trier, c'est une fonction qui a plusieurs arguments, mais ceux qui sont après le premier sont optionnels. Et donc par défaut, il va trier en fonction de la colonne 1 par ordre croissant, ce qu'on avait déjà. Du coup, là, je vais continuer juste à lui dire, bah, je veux d'autres choses, parce que je veux peut-être la colonne 5, je ne sais plus dans quel ordre c'est, on va regarder, hein. Donc là, si je veux le type, c'est la 9e colonne, le début 10, 11, et la durée 14. Donc 9, 10, 11, 14. Logiquement, c'est ça que je vais prendre. Ici, donc je vais lui dire, bah, j'ai la première colonne, la 12e colonne, la 5e colonne, la 9e, la 10e, la 11e et la 14e. Peut-être une de trop. Ah oui, je vais laisser la 5, mais la 5, c'était une erreur. Hop, ça. Là, je vais mettre les formats qu'on a vus ailleurs. Hein. Le format. On va faire HH2.mm. Je vais centrer. Et ici, la durée, je vais lui dire que je veux une décimale, même si j'en aurais pas forcément toujours besoin. Et tout ça, hop, je vais le passer dans l'autre couleur, dans cette couleur-là, qui est la couleur générale de mon tableau. Du coup, ça a l'air pas mal. Là, ça me donne, on ne voit pas tout là, on pourrait réduire un peu la taille de, par exemple, ces trois colonnes-là pour faire en sorte que ça fasse juste 8, par exemple, et que celle-ci fasse en contrepartie 16, ça laissera un peu plus de place, ou que les trois premières plutôt fassent 12, 12, 12. C'est peut-être mieux. Ça change. À la fin, on a gardé la même taille au final, hein. Mais du coup, c'est peut-être un peu mieux. Après, évidemment, on pourrait réduire les colonnes ici, on pourrait faire d'autres choses. Peut-être que c'est plutôt ça que je vais faire d'ailleurs. Là, j'ai combien? J'ai 20. Non, voilà, c'est très bien. Donc, évidemment, vous faites ce qui vous paraît le plus cohérent. Moi, là, je fais un peu au jugé. Et du coup, ce qu'on va juste faire, c'est que je vais dire que c'est focus et qu'on sache quelle est la première date qui apparaît ici. Égal focus à partir du. Et voilà ça. Ensuite, je vais faire et texte. Et donc, on va aller chercher dans les focus, hein, focus début. Je prends cette date-là et je vais mettre en triple J, quadruple J, J, MM, E. Donc le E, c'est pour quadruple A. Si je fais ça, normalement, ça me donne ça. Et donc là, si je veux faire un focus sur février, j'ai tout ça. Et si je regardais par exemple le 13 février, qui est cette date-là, hein, qui est ici, le 13 février, j'ai ça. Et si on veut regarder, est-ce qu'il y a un moment où justement on avait beaucoup d'heures? Donc par exemple là, on voit que ça dépasse du cadre. On peut aller regarder. Janvier, le 6. En fait, ça dépasse du cadre, ça dépasse du nombre d'heures maximum, mais en même temps, c'est pas la même personne, donc c'est pas très grave. Et c'est ça que je veux voir ici. C'est pour ça que je veux ce truc-là. C'est pour pouvoir vérifier est-ce qu'on est tout le temps dans les clous ou est-ce qu'à un moment on déborde du nombre d'heures à peu près maximum qu'on peut faire pour une personne. Du coup, ça va être bien et ça va m'amener tout de suite à faire ça et ensuite je vais passer aux vidéos d'après. Création de tableau. Il faudrait juste faire un gris plus clair, parce que là je trouve que c'est un peu violent. On va peut-être faire ça, je vais mettre mes tableaux tous comme ça. Je vais refaire en fait moi-même, c'est pas du tout un problème, hein, c'est très bien. Je vais refaire moi-même les couleurs comme ça. Alors, je vais faire ça. Évidemment, je vais pas le refaire pour tous. D'ailleurs, là, je vais lui dire que je veux couleur de trait et je vais mettre ça ou plus clair. Peut-être que ça, je vais pas aimer. Si ça va. Évidemment, une fois que j'ai fait ça, bah, comme j'ai fait un truc logique à peu près partout, je vais pas tout refaire, hein. Je vais juste faire. Ici, je mets ça et puis ici, je mets ça. Tout ce que j'ai à changer, c'est que ici, c'est focus moi 1. Ici c'est focus moi 2.
juste au cas où. Et ici, c'est focus moins 3. Alors, ça n'a pas bien fonctionné parce que là, la formule, j'avais mal fait au départ. Il vient chercher dans la colonne date. Et ici, il vient chercher plus dans la colonne date, mais dans la colonne date du tableau d'avant. Je vais enlever ça. Hop. Et là, pareil. Et là, c'est peut-être pareil. Voilà, il a mis. Bon, c'est à cause des copier-coller, des détails. C'est bien que je le montre, hein, parce que moi, ça a pas bien fonctionné. Donc, autant que tout le monde soit prévenu. Voilà. Donc là, normalement, si je lui enlève ça et si je lui enlève ça, janvier, février, mars, je vais juste vérifier. Voilà, tout a l'air bon. Tout a l'air de bien fonctionner. Donc voilà, et donc là, c'est focus à partir de telle date, à partir de telle date, à partir de telle date. Et donc moi, bah, prochaine étape, maintenant, désolé pour cette petite digression sur des aspects techniques qui sont un peu récalcitrants, on va dire, dans Excel, quand on fait des copier-coller d'un tableau à un autre, de temps en temps, ça prend les trucs qu'on veut, de temps en temps, non. C'est pas grave. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les mises en forme conditionnelles qui vont me permettre de voir que bah, là, par exemple, il y a trop d'heures. Dans les mises en forme conditionnelles qui sont ici, on va commencer par faire la mise en forme conditionnelle des week-ends. Donc c'est simple. Ce que je vais dire, c'est que je vais sélectionner tout ça, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et je vais dire sur tout ça, est-ce que ce qui a marqué, ou peut-être on va faire ça, est-ce que le jour sum, donc égal, est-ce que jour sum qui va m'envoyer un nombre entre 0, entre 1 et 7, on va faire, est-ce que le jour sum de dollars. C'est l'un des rares endroits, ce genre de truc-là, l'un des seuls endroits encore dans Excel où vous êtes censé utiliser les dollars si vous utilisez Excel de manière moderne. C'est est-ce que le jour somme de D6, je crois que je suis sur D6, donc D, je mets un dollar devant le D pour qu'il vienne tout le temps prendre la date là. Dans le référentiel européen, c'est-à-dire le référentiel où le lundi c'est un 1 et le dimanche c'est un 7, est supérieur à 5. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un 6 ou un 7, du coup? C'est-à-dire, est-ce que c'est un samedi ou un dimanche? Si c'est le cas, sur bordure, plus des bordures, ce sera très bien, ça va m'éviter d'avoir trop de couleurs, juste sur une bordure en orange partout. Alors, je peux très bien, si j'ai envie, mise en forme conditionnelle, je vais aller, lui dire, non, mais en fait, la bordure, c'est pas suffisant, format, je vais mettre un petit remplissage, peut-être légèrement hachuré, donc on va faire peut-être comme ça. Comme ça, on va tester ce que ça donne si je fais ça. Voilà, ça c'est mes week-ends. C'est peut-être un peu trop visible, hein, ça se trouve, de le faire comme ça. Ça donne trop un nouveau signal par rapport à ce qu'on voit ici, qui est ça, qui est censé être le truc principal. Vous faites comme vous voulez, je vous ai montré les deux trucs. Moi je préfère comme ça, je trouve ça plus discret. D'ailleurs, un truc que j'ai pas fait encore et que je vais faire là, je vais lui dire que. Alors, hop, dire que sur tout ça, peut-être même sur tout ça, et sur tout ça, et sur tout ça, je le vois, mais vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois, c'est pas aligné vers le haut, c'est pas aligné au centre, donc j'ai aligné un peu plus au centre, parce que sinon, les carrés, on les voit encore un peu qui sont bas dans la ligne, mais ils étaient vraiment plus bas, ils étaient très bas dans la ligne, et c'était un peu moche. Parce que, ah bah tiens, je vais peut-être les aligner, hop, en haut. Voilà. C'est à cause des tailles de police et des formes un peu spécifiques de ces caractères-là. Mais bon, ça fait pas de mal de faire le tout petit dernier truc qui fait que ça rend bien. Donc ça, c'est la mise en forme conditionnelle des week-ends. Je vais la refaire là. Accueil. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Avec une formule, je vais dire est-ce que. Donc c'est plus D6, mais est-ce que. Et donc j'ai bien sélectionné. Hein. Avant de faire la mise en forme conditionnelle, j'ai dit c'est la mise en forme conditionnelle qui touche à tout ça. À toutes ces cellules-là. Donc, sur toutes ces cellules-là, est-ce que le jour somme de $H6, 3,2, c'est supérieur à 5? Si c'est le cas, format, bordure, je choisis ma couleur, ça, des bordures partout, paf. Et troisième fois, ici, accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, égale jour somme. Là, du coup, on est en L6, donc dollar L6.2,
Est-ce que c'est supérieur à 5? Si c'est le cas, format, bordure, cette couleur, et j'en mets partout. Et donc là, est-ce que, oui, ça je le garde encore en petit, mais. Et donc là, on va voir est-ce que ça fonctionne bien. Donc, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. C'est pas mal, ça change, hein. On voit que c'est tout le temps devant les samedis et les dimanches, qu'il y a les week-ends. Ça permet de mieux les repérer. On pourrait bien sûr griser, faire autre chose. Ça fonctionne très bien. Et là, je vois que j'ai eu aucune heure de planifier les week-ends. On va faire les jours fériés. Tiens, ça, je vais le. Centré. Hop, on est dans la mise en forme, donc c'est normal de faire des petits détails sur ça. On va faire la mise en forme conditionnelle des jours fériés, mais les jours fériés, je ne les ai pas ici. Et les jours fériés, je ne vais pas aller les rajouter à la main, je vais aller les récupérer avec Power Query. Donc, je vais faire tout ça dans cette petite séquence sur les mises en forme conditionnelles. Mais là, je vais aller utiliser un truc qui s'appelle Power Query, qui, si vous ne connaissez pas, c'est un outil génial qui permet dans Excel d'aller récupérer de l'info depuis différentes sources et de la manipuler. Et donc là, je vais faire donner, obtenir des données à partir du web. Je vais me connecter directement à un endroit sur Internet sur lequel je sais que j'ai la liste des jours fériés en France. Et pour ça, je le fais en rapide parce que je l'ai déjà fait plein de fois et vous l'avez peut-être déjà fait plein de fois avec moi dans plein d'autres vidéos. Je vais prendre api.gouv.fr, donc api.gouv.fr, les API, les jours fériés. Sinon, si vous êtes juste sur api.gouv.fr, ça donne. Rechercher une API, jour férié, tester l'API. Je veux tout sur 25 ans. Je veux pas une année en spécifique, hein, je veux tout sur 25 ans. Je veux tester, je veux exécuter et je veux l'URL. Alors désolé, je vais vite, mais faites-le tranquillement. Ou sinon, allez voir les vidéos qui parlent de jours fériés avec Power Query sur Excel. Vous allez trouver soit des vieilles vidéos de plein de gens qui ont trouvé plein de méthodes pour faire ça il y a longtemps, soit cette vidéo ou ces vidéos-là qui vous montrent comment faire aujourd'hui. Je fais OK. Actualiser, convertir. Enfin, moi, je devais actualiser. Ça, je vais dire que c'est des dates. Je vais dire que ici, c'est des textes. Je vais enlever, par exemple, le lundi de Pentecôte en considérant que comme il est férié mais travaillé, bon, hop, je vais les enlever. Attention, vous faites comme vous voulez. Et du coup, je vais peut-être renommer ça en disant ça, c'est la date. Et ça, en vrai, limite cette colonne-là, maintenant, on s'en fiche. Je peux supprimer cette colonne, donc choisir les colonnes. Je ne garde que la première. Et donc ça, c'est mes dates des jours fériés. Donc, jours fériés de la métropole. Hein. Ce n'est pas les mêmes trucs partout, mais ça fait partie dans mon URL que j'ai utilisé. J'ai pris les jours fériés de la métropole. Bien sûr, vous pouviez changer. Hein. Ici, vous pouviez mettre autre chose, Alsace-Moselle, Guadeloupe, etc. Et du coup, tout ça, hop, je vais aller le fermer et charger dans, et je vais le fermer et charger dans un tableau, peut-être ajouter au modèle de données, c'est toujours bien de le faire, dans un tableau qui va être dans une feuille de calcul existante, et je vais le mettre ici, par exemple. Alors, on va faire données, propriétés et ne pas ajuster la largeur des colonnes, sinon on aura toujours ce truc tout fin et très moche. On va faire 20, 15 d'ailleurs, c'est très bien. D'ailleurs, on peut peut-être décaler ça vers le bas par rapport à ce qu'on a déjà fait. Je vais le redécaler là. Là, je vais, du coup, ça faisait 32 haut, ça s'est arrêté. C'est beaucoup moins haut et je vais remettre, voilà. Donc, je vais reprendre la bonne taille. Ici, mettre ça, jour férié. Et du coup, là, j'ai les dates de mes jours fériés. J'enlève ce petit bouton parce que je l'aime pas. C'est des mini détails que je fais tout le temps. Et du coup, je vais revenir ici et rajouter une autre mise en forme conditionnelle pour mettre une pastille orange si c'est un jour férié. Donc, je vais sélectionner à nouveau tout ça. Je peux peut-être même sélectionner tout ça et le faire en une fois sur les trois. Accueil. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je vais demander simplement le nombre si, alors nombre science plutôt, nombre de fois que, est-ce que je peux mettre ça?
D6. Je suis pas sûr de moi, au pire, je referai. Donc là, je lui dis, est-ce que c'est égal à 1? Donc, en gros, je lui dis, combien de fois dans la liste de mes dates de jours fériés, il y a cette date-là? Il y a cette date, puis cette date, puis cette date. Je vais juste anticiper le fait que pourrait y avoir plus de dates. Donc, je vais mettre 300. C'est largement suffisant parce qu'on ne va pas récupérer plus, mais voilà, je vais anticiper. On peut faire moins compliqué et prendre uniquement la colonne D et faire une règle D6. Voilà. Je vais mettre la police. Comme ça. Donc ce truc-là, mise en fin conditionnelle, gérer les règles, je vais dupliquer cette règle-là et lui dire que ça s'appliquait à D6, ça va s'appliquer maintenant à H et à L. H, H, et ensuite L, L, et on va vérifier que à chaque fois, voilà, là, on va vérifier que ici il fait bien par rapport à H, il a changé, c'est bon, et que pour le dernier, il a dû le faire aussi. Donc si je change le trimestre, voilà, en mai, le 1er, le 8 et le 29 mai 2025, ils sont fériés. En avril, c'est le 21. Ah, tiens, j'ai oublié de faire ça, j'ai pas encore fait ça. On va voir, mais c'est bien, ça me met le truc en visuel. Du coup, ça fonctionne bien. Donc, parce que là, en fait, le jour qui est férié, c'est le 1er mai. Et sauf que le 1er mai, hop, on voit ici qu'il est aussi affiché ici. Ça passe du 30 avril au 1er mai. C'est-à-dire qu'il y a un truc que je n'ai pas encore bien fait et qu'on peut voir ici par le fait que en février, il y a le 1, 2, 3 mars qui apparaissent aussi. Donc on va gérer ce truc-là, on va le gérer juste après. Est-ce qu'il y avait un autre truc que je voulais faire? Ah oui, et je voulais faire. Est-ce que le nombre d'heures d'une journée, est-ce que le nombre d'heures sur une journée, il est supérieur à 8? Non, attendez, on va faire comment? Si, on va faire ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire là, peut-être et là, et là. Tiens, on va faire comme ça. Plutôt accueil, mise en forme conditionnelle. Est-ce que le texte contient ce symbole-là, alors je sais pas comment aller le chercher là. Est-ce que je peux le mettre? Ouais, c'était ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon. Est-ce qu'il contient 9 carrés? S'il contient 9 carrés, c'est qu'il y a plus de 8 heures. Et du coup, on va le faire apparaître en rouge comme ça. Ça n'a pas fonctionné. Peut-être parce que j'ai voulu en faire trop en même temps aussi. Alors c'est ma faute. Je vais refaire comme ça. Parce que là, non, ça devrait être en rouge. Accueil. Mise en forme conditionnelle. Gérer. J'ai raté. Alors c'était peut-être pas les bons que j'ai pris. Ça se trouve que j'ai pris les mauvais. C'est peut-être ça qu'il faut que je prenne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ok. J'avais pris le mauvais symbole, mais bon, ils se ressemblent un peu quand même. C'est tous les deux des carrés noirs. Et donc, je vais dire, je veux pas que ce soit le fond. C'est plutôt format, le remplissage, j'efface. Mais par contre, la police, je vais la passer de cette couleur-là. Hop. Donc là, ça va me faire apparaître ce truc-là. Même si on va continuer à améliorer des trucs pour que ça ne soit pas tout à fait ça le rendu. Et donc cette mise en forme conditionnelle, accueil, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, dupliquer, dupliquer. Et donc je vais lui dire que là c'est pareil, c'est plus F mais c'est J et ensuite c'est N. J, J, normalement il va modifier automatiquement ce qu'il y a à l'intérieur. Et N, N. Normalement, si je fais ça. Alors je pense qu'il n'y a pas d'endroit ici sur les autres mois, j'avais plus de 9. Enfin de 8 heures, mais je pourrais tout à fait rajouter un truc sur lequel je dis, bah tiens, en février, je vais dire que c'est jusqu'à 23 heures, on voit que ça fonctionne, c'est parfait. Je reviens en arrière, ça revient à 19 heures, à 17 heures, et du coup ça c'est bon. Donc ça c'est pas mal, ça fonctionne bien. J'ai fait ma partie mise en forme conditionnelle. Je vais peut-être faire une dernière mise en forme conditionnelle qui va être ici, un focus sur. Je vais faire sur tout ça.
Accueil. Mise en forme conditionnelle. Vous allez voir, d'abord, je le fais. Non. Est-ce que dollar P 19, donc c'est-à-dire est-ce que la première cellule de la première colonne est égale à focus date début, je crois. On va voir si ça fonctionne. Et si c'est oui, alors je vais mettre peut-être cette couleur-là. Alors, comment elle s'appelle ma cellule focus? Ici. Focus début, c'est pas focus date début, c'est focus date, c'est juste focus début. Accueil, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, modifier, c'est focus début. Et je vais mettre hop, gérer, et peut-être mettre finalement plus clair parce qu'on voit bien la différence. Je vais mettre une bordure en disant je veux sur ces cas-là des bordures blanches pour qu'on distingue bien. Donc on va faire ça. Voilà, donc là ça veut dire que toute la première ligne, c'est la première date qu'on voit affichée. Je pourrais faire un truc qui permet de dire bah ça change de couleur, ça fait par exemple foncé clair à chaque fois que ça change de date. Mais bon, je vais juste m'arrêter là. Donc là, février, hop, il n'y a qu'un seul truc. Mars, il n'y a qu'une seule date. Et si jamais elle disait bah, par exemple le 6 février, il y a le 6, donc le 6, il y a le 6 janvier et le 6 février et le 6. D'après, parce que j'ai pas fait un focus sur un mois, mais du coup on voit bien que ça c'est là, ça c'est une journée. Le reste c'est la suite. Du coup ça c'est, ça me paraît pas mal de faire ça. Je vais supprimer ça. Logiquement là, on a fait beaucoup de trucs, on a fait beaucoup de trucs ensemble, beaucoup de trucs différents, beaucoup de trucs qui vont bien normalement ensemble. Et le dernier truc qu'on va gérer, le tout petit dernier truc qu'on va gérer, si vous regardez à nouveau le début de la vidéo, c'est le fait que si jamais j'ai plusieurs formats, plusieurs collaborateurs en même temps, je voudrais juste avoir les noms des collaborateurs qui interviennent sur la même journée, qui travaillent sur la même journée. Donc c'est-à-dire que ici, par exemple, je sais que j'ai Étienne et Sarah. Si je fais un focus sur le 6, donc janvier et 6, je sais que j'ai Étienne et Sarah qui travaillent en même temps. Donc c'est-à-dire que tant que je n'ai pas sélectionné Étienne ou Sarah, je voudrais que sur cette ligne-là, il y ait marqué bah, Étienne et Sarah. Et que sur les autres lignes, si c'est des journées qui ne sont travaillées que par Étienne ou que par Sarah, il est marqué seulement Étienne, seulement Sarah. Donc c'est ça qui va être la dernière étape, la toute dernière étape qui va nous permettre d'avoir ça, cette vision qu'on a là, seulement si on est déjà en train de faire un focus sur un seul collaborateur. Ce qui va nous permettre d'afficher potentiellement le dispatch par collaborateur des heures, enfin en tout cas de qui travaille telle journée, qui n'est pas là, qui est en vacances parce que par défaut il est là tout le temps et on voit bien que pendant 2 semaines il n'est pas là, etc. C'est ça notre dernière étape. Dernière étape de ce tuto, comment est-ce que je modifie ici la formule qu'on a créée, hein, cette formule-là, comment est-ce que je vais venir bah, l'étoffer un peu, l'enrichir un peu pour pouvoir afficher ce genre de résultat-là quand on est sur un focus sur un collaborateur ou une collaboratrice, mais afficher sinon des résultats qui permettent de voir combien de collaborateurs travaillent ensemble sur la même journée dès lors qu'on a plusieurs collaborateurs ou collaboratrices en même temps sélectionnés ici. Et peut-être juste avant de faire ça, parce que je me rends compte qu'il y a des trucs qui ont un peu changé vu que j'ai fait des petites modifs et que je veux que vous ayez la même chose que moi. Ici, je vais lui dire que, alors, je vais réagrandir. Ici, tout simple, mais je vais dire que c'est police taille 12, parce que c'est ce que j'ai mis partout, 12, 12. Donc là, je vais mettre 12. Vous voyez que là, tout à l'heure, j'avais des colonnes qui étaient un peu plus réduites. Comme j'ai rajouté une colonne, j'ai un peu plus de place. Donc dans mon segment, je vais dire que finalement, j'ai 11 éléments par ligne. Et du coup, ça me fait gagner un peu de place, ce qui fait que ici, je vais réduire cette taille-là. Et c'est normal hein, de faire ces ajustements, de faire un peu on teste dans un sens et puis finalement on reteste, on remodifie, etc. C'est tout à fait logique. Alors, est-ce que je gagnerais du temps à le faire comme ça plutôt? Parce que là, du coup, ça m'a fait gagner de la place au-dessus, donc je vais peut-être faire supprimer les lignes et je vais décaler les lignes vers le haut. Voilà, c'est peut-être plus simple de le faire comme ça. Et hop, je vais copier ça, coller ça. Et là, du coup, j'ai gagné 2 lignes. C'est con, mais j'ai gagné 2 lignes. Hop, je vais faire ça.
Et ces deux lignes que j'ai gagnées, ici, ça va me permettre de dire que ici, bah, je veux plus les 18 premières lignes, c'est ce que j'avais mis, mais je veux les 20 premières lignes. C'est toujours un principe de, on fait évoluer au fur et à mesure, et puis plus on s'approche de la fin, plus on va faire des toutes petites modifs qui permettent d'obtenir le résultat final qu'on veut. Faire un dernier truc que moi j'aime bien, je vais mettre ici, juste pour bien borner le truc, je vais borner juste tout en bas en me disant que j'ai une couleur de trait qui est celle-ci et que je vais mettre vers le haut. Et voilà, comme ça du coup j'ai bien un truc qui est plus nickel, j'ai gagné un peu de place et j'ai un truc un peu plus nickel au niveau du final, même si c'est des détails. Bref. Maintenant on s'attaque à ce truc-là. Ce truc-là, en gros, je le fais, donc j'ai une formule à chaque fois. Je vais vouloir dire que ici, par exemple, je regardais. On voit que sur le 6 et le 7 janvier, j'ai trop d'heures. C'est un bon indice pour savoir qu'il y a plusieurs personnes en même temps. Et du coup, j'ai Étienne et Sarah. Moi, ce que je vais vouloir avoir ici, c'est plutôt Étienne, Sarah. Que ça me dise, bah, ici, j'ai Étienne et Sarah. Ici, j'ai que Étienne. Ici, j'ai à nouveau Étienne et Sarah. Ici, j'ai que Étienne. Et puis, s'il y a des endroits, j'ai que Sarah. Donc, j'en ai peut-être. Est-ce que sur le 20 ou le 21? Le 21, j'ai que Sarah. J'ai que Étienne, j'ai pas Sarah. Hop. Et il y a peut-être sans doute des dates où c'est l'inverse, hein, c'est pas sûr, parce que bah, mes données, j'avais surtout rempli pour Étienne. Je voulais montrer des Sarah pour en plus. Mais du coup, je voudrais que quand on est en affichage sur plusieurs collaborateurs, ça me mette ces trucs-là. Évidemment, là je l'ai fait à la main pour vous montrer un peu l'objectif, mais je vais certainement pas le faire à la main, c'est pas le but. Ce qui veut dire que. Ici, je vais lui dire, par exemple, je vous montre un exemple, je vais écrire ici dans cette cellule-là, test, je vais mettre OK. Alors, je vais le mettre tout en haut, que vous le voyez bien, en blanc, en centré. Voilà. J'ai mis OK ici, cette cellule c'est B1, je vais juste faire comme ça. En gros, je vais vouloir dire si dollar ou B dollar 1 égale. Non, B dollar 1 égale OK. Je mets ça, sinon je mets autre chose. Donc c'est-à-dire si c'est OK, je mets quelque chose, point virgule. Sinon, je mets, on va mettre des X. Et dans tous les cas, à la fin, je vais faire mes parenthèses. Donc ici, j'ai OK, ça m'affiche ma formule. Si j'ai KO, hop, ça met des X. Et donc moi, je vais vouloir dire, bah, je vais vouloir appliquer cette logique, mais pas bien sûr au fait que ce soit ici moi qui ai marqué OK, mais au fait de savoir sur les données que j'ai sélectionnées, est-ce qu'il y a un ou plusieurs formateurs en même temps? Donc ce truc-là de OK KO, on s'en fiche, hein, je vais supprimer ici. Et moi je vais faire un calcul, peut-être ça, peut-être que je vais prendre celui-là. Je vais peut-être prendre celui-là, répartition par collab. Alors j'avais fait ça, si je décale vers le bas, tant qu'à faire, j'ai envie de vous le montrer autrement, ce sera bon. Donc, hop. Ce que je vais lui dire, c'est ici, je vais prendre bah, par exemple ma cellule, je l'avais peut-être pas nommée, ça, je pourrais la nommer, cette cellule-là. Je peux la nommer liste collab, on va faire répart collab. Cette cellule-là, je la nomme. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais en général, les cellules dans lesquelles je mets des formules, hop, je mets une petite couleur. Ça me permet de mieux savoir que j'ai fait ma formule sur une ou plusieurs colonnes. Alors que si je fais ça, je vois bien que là j'ai une formule, mais que tout le reste, c'est juste la propagation des résultats de cette formule. Et du coup, là je vais lui dire, si le nombre de lignes de cette cellule-là, quand elle est propagée, c'est 1, alors je fais un truc, sinon j'en fais un autre. Je vais juste faire répart collab. Je fais ça et il me propose Étienne. Pourtant ici, le résultat, c'est sur plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Je vais lui dire, je veux pas répart collab, je veux répart collab hashtag, ce qui va me permettre de propager tous les résultats qui viennent de cette formule-là. Donc là, il me donne tout ça. Si je lui dis que je veux le nombre de lignes de ça, hop, nombre de lignes de ça, il me dit 2. Évidemment, si moi je fais un focus sur par exemple le trimestre 3, je sais qu'il y a que Étienne, il va me dire Étienne. Et du coup, là, il va me dire 1. Il n'y a plus qu'une seule ligne. Ici. Ce qui est évidemment vrai aussi, si jamais je lui dis que c'est le trimestre 1, mais que c'est uniquement la préparation pédagogique, hop, là il me dit 1, il n'y a que Étienne. Et si je prends le commercial, hop, le commercial, là j'ai que Sarah, mais j'ai bien qu'une personne.
Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que ce truc-là, ligne, collab, répart, je ne vais pas l'écrire là, évidemment. Je vais plutôt le mettre dans ma formule. Si ligne, collab, le nombre de lignes de collab, répart, étendu, propagé, c'est égal à 1, alors je fais cette méthode-là, sinon je fais un x. Donc là, par exemple, vous allez voir, hop, si je mets ça, je vois que dans cette colonne-là, comme il y avait deux formateurs, je suis sur le mode d'affichage avec des x. Sinon, si je passe qu'à un seul formateur, c'est bon. S'il lui dit que je veux uniquement l'admin, hop, comme l'admin, il n'y a que Étienne, bon, bah, ça fonctionne. Commercial, il n'y a que Sarah, ça fonctionne. Formation, comme ils sont deux, bah, là aussi, ça me renvoie le deuxième choix. C'est-à-dire que moi, je vais lui dire, bah, je veux passer du premier au deuxième mode de calcul en fonction de quelque chose. Et ça, en fonction de quelque chose, c'est ce que j'ai fait là. Le nombre de lignes de ce qui est calculé ici. Et donc maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est je vais lui dire, vous allez voir que somme ci ensemble ne va pas être efficace pour ça, je vais vouloir lui dire, sinon, tu me donnes la liste des formateurs ou la liste des collaborateurs sur la journée, sur chaque jour. C'est-à-dire que dans l'autre cas, je vais pouvoir lui dire, par exemple, un truc comme ça. À peu près la même chose. J'ai mis un point virgule en trop. Là, c'est la même chose. Mais je ne vais pas vouloir avoir le nombre d'heures. Je vais vouloir, par exemple, lui dire, je voudrais la liste de tous les collaborateurs. Et pour ça, je ne vais pas pouvoir utiliser somme ci ensemble. Il va falloir que je fasse un filtre. Somme ci ensemble, ça va pas fonctionner. Donc, je vais enlever quelques trucs. Hein. On va faire ça. Je vais devoir utiliser la même logique, mais pas avec un somme ci ensemble, mais avec un filtre. C'est-à-dire que ce truc-là, je le garde. Ce truc-là, je le garde aussi. Hop, de dire que je vérifie. D'ailleurs, tout ça, je vais le garder, mais je vais le passer dans une fonction filtre. C'est-à-dire que plutôt que de faire ça, je vais faire filtre, c'est une autre fonction. C'est-à-dire que je veux filtrer la durée, on va le faire avec la durée déjà pour l'instant, à chaque fois que je vais mettre les conditions que j'avais entre parenthèses, enfin, je vais les mettre entre parenthèses. Donc la première condition, c'est est-ce que la date, c'est la même que cette date-là? Hop. Et la deuxième condition, je vais pas mettre un point-virgule, parce que dans une fonction filtre, on va mettre des étoiles. C'est-à-dire, est-ce que la colonne des focus, c'est égal à 1. Donc en gros, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de transformer tout ce truc-là, tout ce somme-ci ensemble, si là, je faisais un somme, hop, tiens, je vais dire, au cas où, si tu ne trouves rien, je vais mettre 0. En cas de rien trouver, je vais mettre 0. Donc là, je suis en train de lui dire, transforme, tiens, on va faire ça pour que vous voyez bien, répète de ça. En gros, je vais avoir exactement le même résultat que je sois sur. Alors, évidemment, on ne peut pas le voir. Mais ces deux trucs-là sont deux manières d'exprimer la même chose. Un avec somme si ensemble de mes conditions écrites comme ça. Et l'autre avec somme de filtres de mes conditions écrites comme ça. Donc, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment. Prenez le temps de bien découper ça. C'est la même chose, somme si ensemble et somme de filtres vont fonctionner de la même manière, sauf que somme de filtres, en vrai, c'est plus puissant. Et surtout, moi, là, je ne veux pas la somme, parce que sinon, ce serait la même chose. Je vais peut-être prendre. Alors, je ne veux pas la somme, je veux. On va faire ça. Unique. Je veux la liste unique des valeurs qui sont là. Et cette liste unique, là, il me dit qu'il propage sur plusieurs valeurs. Je vais dire que je veux simplement les, pas les répéter, mais les joindre. Joindre texte avec, par exemple, ça. Ignorer les cellules vides. Oui. Donc, par défaut, c'est vrai, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais je peux le mettre. Et du coup, là, il me dit, bah, il y a 3, il y a 4, il y a 3, 4 heures, etc. Bon, c'est juste parce que c'est des durées que j'ai mis, mais si ici, au lieu de mettre des durées, évidemment, je mets les personnes. Je vais avoir ici que Étienne, ici Étienne et Sarah, ici que Étienne, Étienne et Sarah, et il n'y a peut-être pas d'endroit où j'ai que Sarah. Il n'y a peut-être aucun endroit où j'ai que Sarah. On peut aller regarder par exemple le 14 janvier. 14 janvier, j'ai que Sarah. Effectivement, le 14 janvier, j'ai que Sarah. C'est-à-dire que ici, ça me dit est-ce qu'il y a un ou plusieurs, une ou plusieurs personnes. Bah, du coup, ça fonctionne très bien.
Moi-même, en vrai, je voulais vous amener que de base, mon idée, c'était de vous amener que là. Mais si on fait ça, on va vouloir l'améliorer un tout petit peu, et surtout, ça va nous permettre de faire encore un truc en plus. Donc, si on fait ça, déjà, on va pouvoir, plutôt que de répéter tout ça, on va pouvoir l'isoler, cette partie-là. On va faire let. Donc ça va me prendre un peu plus de place. Donc je vous montre juste comment aller encore plus loin que ce truc-là. Let de, par exemple, la condition, point virgule. À partir de maintenant, quand je vais dire la condition, c'est est-ce que ces deux trucs-là sont vrais en même temps? La condition, c'est ça et ça. Maintenant, je vais pouvoir lui dire, bah attends, là, finalement, ça c'est la condition. Je vais fermer, hop, à la fin, j'ai ouvert un LED, donc je vais faire. Ça fonctionne de la même manière. Et sauf que bah du coup, ce que je vais lui dire, c'est tout ce somme-ci ensemble, je vais plutôt prendre la même logique. Je vais faire un filtre de ça, je crois. J'ouvre une parenthèse, je ferme une parenthèse, ok. Donc je vais faire un filtre de somme de tout ça. Et donc là, forcément, je vais prendre la colonne des durées. Ah, j'ai peut-être juste oublié une parenthèse. Voilà. Donc là, en gros, j'ai essayé de rentabiliser mon la condition plutôt que de l'écrire deux fois, bah l'écrire directement là-haut. Donc j'ai la condition, c'est ça. C'est est-ce que les deux sont vrais en même temps sur mon tableau? À chaque fois que c'est vrai, je vais lui dire, bah, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne. Je vais faire un répète comme on voit ici. Par exemple, si je prends Étienne, hop, je fais un répète comme on voit ici. Si on voit que là, il y a une erreur, on va peut-être lui dire si erreur 0, je pense. Ou somme de filtre. Ah non, là, je vais mettre un 0. Voilà, ça fonctionne bien. Et du coup, dans l'autre cas, je vais faire ça. Sauf que je vais peut-être améliorer un peu. Je vais dire, je vais faire juste un peu plus. Je vais vouloir donner le nombre d'heures totales qui correspond à le nombre de personnes qu'il y a. C'est-à-dire, là, il y a Étienne et Sarah. Ça fait combien en tout? Pas combien chacun, mais combien en tout? Donc, je vais juste vouloir faire ça. Donc, je vais lui dire que c'est la même chose, ce unique de filtre, etc. Donc, unique de filtre, tout ça. Je vais le mettre devant le joindre texte. Donc je vais mettre ici, par exemple, ça va donner quelque chose comme 1000 heures. Ça va me donner 1000. Et heures. Faire un truc comme ça. Je suis désolé, c'est pas forcément. Il y a des. Là, ça, je l'avais pas préparé. Donc je le rajoute là. Et je pense que c'est plutôt pas mal, que ça va améliorer un tout petit peu. Mais on va voir ce que ça donne. Comme ça. Voilà, donc 1000 heures, évidemment, c'est beaucoup, hein, donc on va plutôt avoir des trucs plus courts. Comme ça. Peut-être que ça va être plutôt 2 points, que ça rend pas très bien. Là, les crochets que j'ai mis, ça améliore pas la lecture. Voilà, on va mettre comme ça. Donc 10 heures, Étienne. 10 heures, Étienne et Sarah. Là, j'ai mis 10. Évidemment, c'est pas ça que je veux, hein. Moi, ce que je veux, c'est tout ça. Sauf que je vais remplacer le unique par le nombre d'heures. Donc, le unique par un somme. Et non pas une somme des collaborateurs, mais une somme des durées. Et là, il me dit, attention, j'ai une erreur, parce que je vais mettre un 0. On va faire si tout ça, donc peut-être on va faire et ça. Je vais rajouter un deuxième truc. Donc là, j'ai dit la condition, c'est ça. Et je vais lui dire, parce que là, j'ai utilisé plusieurs fois le même truc. Je vais dire le nombre d'heures, c'est ça, la somme de tout ça, point virgule. Et du coup, là, je vais dire si, plutôt que de faire le truc comme ça, si le nombre d'heures égale 0. Je mets rien du tout. Sinon, je mets le nombre d'heures et tout ce qu'on a vu après. Donc là, normalement, ça va bien le faire.
J'ai soit rien qui est marqué, soit marqué le nombre d'heures avec les intervenants derrière. Hop, je fais un focus. Là, du coup, j'ai plus besoin d'avoir le nom de l'intervenant puisque du collaborateur, puisque je sais que j'ai que Étienne ou Sarah en fonction de ce que j'ai sélectionné. Pareil, là, je le sais. Prépa, bon, bah, du coup, j'ai que Étienne. Formation, j'ai Étienne et Sarah. Donc là, ça me dit que c'est 7 heures d'Étienne, 7 heures de Sarah. Donc là, je vais juste lui dire tout ça. Hop, je le mets là aussi. Et tout ça, je le mets là aussi. Je vérifie simplement que ça prend bien la date dans la colonne d'à côté, que là ça prend bien la date dans la colonne d'à côté. Et donc si je me mets sur ça et que je fais Étienne, ok, tout a l'air bien. Sarah, tout a l'air bien. Si je lui dis que je veux janvier, le commercial, pardon, je vois que Sarah, la formation, je vois les deux, etc. Tout a l'air de bien fonctionner. Donc on est venu à bout de ce projet, de long en large, ce tableau. Ce tableau de bord un peu qui est un calendrier multitâche par jour, qui est un calendrier multicollaborateur aussi, que j'ai fait là à partir de un tableau dans lequel vous pouvez faire de la saisie, de la sélection, mais on aurait très bien pu faire de l'import de données, de l'import via Power Query, de l'import de données. Ça aurait été encore mieux, mais évidemment, bah, ça vous le retrouvez dans d'autres trucs. Donc là, on a notre petit calendrier qui fonctionne bien. Je vais pas pousser le truc qui est, c'est ça qu'on voulait. En vrai, on a encore mieux, donc tant mieux. Je vais pas pousser le fait d'essayer d'avoir ici le bon visuel, mais je vous montre rapidement. Pardon. Hop. Ce que moi j'avais dans cette feuille-là de base, même si j'ai pas eu envie de m'attarder, voilà, j'avais fait un truc un peu plus propre, bien dimensionné, etc., qui permet d'avoir un truc encore plus nickel, et qui permet facilement de se dire, bah tiens, attends, là je vais venir faire une modif. Je sais qu'en mai pour de l'admin, finalement, ça, il y a une personne qui peut pas, donc je supprime cette ligne. Bon, bah c'est facile de modifier ça. C'est très facile de modifier ça. Donc là, j'avais juste légèrement mieux fait cette feuille-là, les segments en haut, simplement les segments en haut, les tailles des colonnes, pour avoir quelque chose de plus nickel. Par contre, finalement, bah, j'avais moins bien fait celle-ci, et cette feuille-là, bah, je trouve qu'elle est mieux comme ça. Donc c'est trop bien. Ça permet d'avoir encore meilleur outil. C'est la fin de ce tuto-là. J'espère que ça a été utile. J'espère que vous avez survécu. J'espère que, en vrai, vous avez appris des trucs et que vous dites, tiens, ça c'est trop bien. Je pourrais non seulement le faire tel quel, mais surtout l'améliorer encore un peu, etc. Et sachez que, bah, nous, on est hyper contents chez Solpéine avec toute ma boîte, de mettre du contenu en gratuit, en accès libre sur LinkedIn, sur YouTube. On trouve que, bah, on fait partie de l'écosystème qui permet à tout le monde de moins subir son travail, d'être un peu plus de mieux gérer. Sachez aussi que en vrai, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez maîtriser encore le truc d'après, si vous voulez adapter ce fichier-là qui n'est pas forcément parfait pour votre besoin à quelque chose que vous avez besoin de faire, et ben nous on fait de la formation et on vous forme, pas en vous en faire des tutos comme ça, on vous forme en mettant les mains dans le cambouis avec vous sur vos données pour travailler ensemble sur comment faire encore mieux dans vos cas concrets. Et du coup, rendez-vous en formation. Non seulement nous, ça nous ferait très, on serait très content de savoir que vous avez fini ce tuto, que vous l'avez adoré, que vous voulez aller plus loin et que vous voulez le faire avec nous. Preuve de confiance, trop cool. Mais en plus, très honnêtement, c'est aussi un truc qui nous fait vivre. Faire de la formation, c'est ce qui nous permet de financer le fait de faire des tutos et de faire des posts et des articles et de mettre tout ça à disposition gratuitement. Donc, même si vous sentez que vous n'en avez pas besoin, mais que vous avez envie, juste envie, faites-vous kiffer. On se voit en formation. Envoyez-nous un MP, envoyez-moi un MP à Martin Aubard sur LinkedIn. Et puis, on discute de votre projet, etc. Et si vous êtes allé au bout de cette vidéo, bah juste, on va faire un petit code tout simple, qui sera valide à vie tant que vous voyez cette vidéo. Calendrier 10. Pas parce que c'est le 10e calendrier, mais ce petit. Parce que ce sera une manière d'avoir 10% de réduc, 10% de code promo. On va le faire un tout petit peu plus beau. Un code promo de 10% sur
l'ensemble de nos formations individuelles, voire de nos formations en entreprise, si jamais vous voulez faire financer la formation par votre entreprise. Donc, si jamais vous tombez sur cette vidéo, que vous allez jusqu'au bout et que vous voulez vous former, calendrier 10, vous mettez ça sur, vous nous envoyez ça par MP, vous mettez ça dans nos formulaires, vous nous envoyez une lettre ou n'importe quoi, et calendrier 10, et quelle que soit la formation que vous voulez faire, on la fera, on vous fera 10% de réduction sur toutes nos formations avec formateurs, donc formation individuelle CPF et formation en entreprise. Donc voilà, ce dernier petit truc, et puis on a fini. À bientôt!